Bonsoir! Ah, merci beaucoup! Merci! Merci de deux, c'est très gentil. J'avais grand soif. Si, c'est vrai. De quoi? Oui, grand soif, grand soif. De quoi? Ah non! Pourquoi? Non? Bon, bref, bonsoir, comment ça va? Comment ça va? C'est de plus en plus rose. Oui, ça me casse bien les burnes. C'est même très très rose. C'était pas du tout la couleur. Après, j'ai filmé un truc juste avant et j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi. Genre, la saturation sur la caméra, je l'ai remise normale. Et en fait, c'est beaucoup plus fluo qu'en vrai à chaque fois. Je sais pas. Bref. Le tablier, le foulard dans les cheveux, trop pipou. Merci, marmotte. Ah oui, bah attendez. Attendez, parce que je me suis mise dans le thème, voilà. Mais bon, bah le foulard, on le voit pas, mais c'était pour faire Cooking Mama, quoi. Mais ça se voit pas vraiment, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour faire des recettes et brûler la cuisine. Ah là 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 là, à boire. Bah du coup, oui, j'ai bu. Alors par contre, je suis désolée, le chat, ça va être compliqué. Non, ça va, mais je l'ai sur la tablette, là. Parce qu'en fait, j'ai un petit, gros, big problème technique. C'est que mon Mac, l'écran est mort. Genre le Mac s'allume mais il y a plus d'images, l'écran est mort, de chez mort. Donc il faut que je fasse remplacer. Donc je n'ai qu'un écran là de l'ordinateur que j'utilise pour stream, donc c'est un peu le caca. Mais c'est pas grave, donc on va faire le chat à la tablette. Dans mes souvenirs ça buguait beaucoup quand on faisait comme ça au début. Mais là j'ai pas le choix, sinon je ne peux pas vous lire. Donc bon... La chaussette de ton micro, c'est de la barbe à papa. Tout à fait. Tu parles de ma belle moumoute rose. Rip le Mac, bah je suis bien dans la merde. Parce que bah du coup, je peux le brancher à la télé. Je peux le brancher à un écran externe, du coup, pour avoir accès au Mac quand même. Mais bon, c'est pas le but avec un ordinateur portable. Mais c'est surtout que je peux pas l'envoyer en réparation tout de suite. Parce que... De ma vie, ça fait combien de temps que je suis sur internet? Depuis 7, 8 ans, 8 ans je crois. Première fois de ma vie que j'ai fait un partenariat pour, vous verrez, notamment une coque de MacBook. Du coup j'étais en mode, bah je peux pas l'envoyer en réparation parce que la deadline elle est là. Donc il faut que je filme le contenu et il faut que j'ai le Mac pour montrer la coque dessus. Donc bah je suis niquée. Je peux l'envoyer en réparation qu'à la semaine prochaine. Ouais, viens, Negan. Il fallait que ça tombe, c'est vraiment ma chance, tu vois. Genre, c'est la première fois que j'ai l'écran d'un Mac, d'un ordinateur tout court qui meurt. C'est la première fois que j'ai un partenariat pour le dit MacBook. Enfin, pour une coque de MacBook, quoi. Je suis en mode, c'est vraiment le timing est incroyable. Bon, bref. Du coup, il ira en réparation une fois que j'aurai mis la coque dessus. Enfin, j'ai déjà mis la coque, mais bon, bref. On verra ça dans la prochaine vidéo, mais vraiment le timing est incroyable quoi. J'ai regardé ta rotif de DTI, j'ai adoré. Oh merci beaucoup. Mais sachez que je n'ai joué que à ça toute cette semaine. J'ai beaucoup 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 trop joué. J'ai le titre, vous savez dans DTI vous avez des titres en fonction du nombre d'étoiles que vous avez au total sur votre compte. Là je suis fashion, alors je sais pas comment ça se prononce, M-A-V-E-N, Maven, je sais pas. Donc je joue beaucoup, je suis un peu trop investie dessus. J'ai vu qu'il va y avoir une petite mage en plus de DTI pour Halloween, il va y avoir des nouveaux vêtements, des nouveaux thèmes et tout. Ça a l'air trop bien. Donc je pense qu'on refera d'ailleurs des streams sur DTI quand il y aura la mage, je pense. Parce que là en fait je l'ai un peu trop poncé, donc je connais un peu tous les thèmes. faut que je dose sur DTI parce que je suis trop investie. En plus on joue à 3 parce qu'on est des big tricheurs. On joue moi, Dodo et Alex. Et on se note qu'entre nous, on est des monstres. Du coup, bah, on est toujours sur le podium, on est toujours les trois cons sur le podium. Voilà, on est des big tricheurs, franchement, il n'y a aucun esprit de fair play. Pas du tout. Mais bon. T'as encore volé des goûters à des petits... Non. J'ai pas revu Mia. Je ne l'ai pas recroisée encore. La pauvre. Vraiment, j'ai joué toute la semaine après l'avoir découvert en stream. Mais c'est super addictif comme jeu. Et comment dire, le fait que les parties soient que 5 minutes, tu te dis, vas-y, je vais jouer pas longtemps. Puis tu termines une partie, t'es en mode, vas-y, je referai bien un autre thème. Et en fait,
Le jeu est vraiment addictif et il est super fun. Enfin, si un jour on m'avait dit que je kifferais ma race comme ça jouer à Roblox, pour moi Roblox c'était vraiment le jeu avec les gugus carrés quoi. Je suis en mode bon bah voilà. Et et d'ailleurs, j'ai découvert un autre jeu sur Roblox aussi. Il me semble qu'il est officiel, il y a un jeu Hello Kitty Café. J'y ai joué un peu hier soir, il est trop bien. Il est trop bien, genre tu gères littéralement le Hello Kitty Café. Et en employé en fait, bah t'as Hello Kitty, enfin tous les personnages de Sanrio. Et c'est trop cool, j'ai commencé que hier soir, j'ai pas fait grand chose, je pense pas que je sois très avancée. Mais genre, trop cool, trop cool. Si jamais vous avez un compte Roblox, de toute façon dans tous les cas c'est gratuit. Il y a un jeu Hello Kitty, voilà voilà. J'ai cru que t'allais dire moi Dodo et Negan, j'ai eu peur. Oui, bah Negan a un ordinateur. Il joue aussi à DTI, ouais. Le jeu, c'est sur Switch. Lequel? DTI? Dress to Impress? Non, c'est pas sur Switch. Bah, il y a pas Roblox sur Switch. En vrai, ça se peut. Ça se peut qu'il y soit, en vrai, parce qu'il y a Fortnite sur la Switch, donc c'est possible. Non, c'est sur ordinateur, à tablette, téléphone aussi. J'ai essayé sur le téléphone, par contre, je trouve pas que ce soit très pratique. Surtout que l'écran il est petit et tout, c'est pas incroyable. Mais sur ordi, c'est cool quoi. C'est cool. Oui, le Hello Kitty Café, c'est génial. Franchement, il est trop bien, le Hello Kitty Café. Donc bon. Negan, que des top 1 tout le temps, c'est sûr. Ah bah bien sûr. Ah bah Negan, bien sûr. Attention, il se donne. Hein. Il se donne avec les petites griffes sur le clavier là. Il se donne à fond. Ça parle de DTI et moi je bosse mes cours à force. Force. Ce sera la récompense. Quand tu auras terminé tes devoirs, ce sera la récompense. Mais bosse bien, bosse bien. J'imagine le bruit, je meurs de mignon. Ah bah, il s'est rebarré. Il est avec toi, Dodo, ou pas? Ou il est dans le salon? Le petit Neganette. Negan, Negan, Negan. Au fait, si jamais vous récupérez... Ah bah, il est là. Si jamais vous récupérez des récompenses... Genre dans le stream, enfin avec les points. Dites-le moi, parce que dans le chat, comme je suis sur la tablette, j'ai pas mis le mode stream, je suis allée dans le stream normal, du coup ça s'affiche, mais si après il y a des messages, je verrai pas. C'est moins... Viens, ouais viens. Bah il veut... Bah il se barre. Il se barre. C'est moins pratique que sur l'ordinateur. Mais bon, je croise les doigts que le Mac soit réparable en fait. Juste réparable, ce serait bien là. Oh merde, je me suis pas mis en ne pas déranger sur mon téléphone, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, ne pas déranger, activer. Excusez-moi, excusez-moi. Rip la colo, c'est quoi ton futur essai? Bah là déjà, je vais terminer, lol, la bouteille quand même de Arctic Fox, vu qu'il me reste la moitié. Je vais refaire avec ça. Et puis après, je sais plus, faut que je regarde, parce que du coup, la semaine dernière, vous m'avez donné plein de refs. Donc j'ai noté... Le Crazy Color, le Manic Panic, le... Eugène Perma. Faut que j'aille en magasin. Franchement, j'ai pas encore été en racheter de colo rouge, donc je vais déjà finir la pourrave qui est entamée, et puis ça sera autre chose après. Mais j'avoue que là, c'est vraiment très très rose, et les longueurs paraissent fluo parce qu'il y a la lumière violette, mais en vrai, les longueurs, elles sont déjà pastel. Je sais pas si ça va bien. Ce... Aouh! Oh, 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 oh my god, très mauvaise idée. Très mauvaise idée de mettre ça. Je viens de me raccrocher dans le bras du micro. J'ai pété le bureau. Là, on voit pas. Ouais, la luminosité, elle est pas bonne. Mais je vous jure que dans la salle de bain, lumière du jour, les mèches... Il y a des mèches, elles sont toutes claires. Autant la semaine dernière, c'était... Il y avait des racines qui étaient vite fait rouges. Mais alors là, il y a plus rien du tout. C'est vraiment... N'importe quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas de jurons. Ok, ok. Là, j'ai vu passer, j'ai vu passer, merci. Coco, réincarnation, maman, tu pourras jouer quand j'aurai vu tes devoirs. Oui. Bah, je suis... Attention, je ne suis pas n'importe quelle maman ce soir. Je suis cooking mama, s'il vous plaît. Bon. Tu connais le problème de ton Mac? Pourquoi il s'allume plus? Je sais pas du tout le problème, mais c'est juste l'écran. En fait, juste l'écran, il est noir. Le Mac fonctionne, c'est ça qui me saoule, c'est que tout le reste est fonctionnel, juste l'écran est mort, donc je pense qu'ils vont changer l'écran. Bah j'espère, j'espère. Parce qu'en gros, de base j'étais dessus, je crois que je jouais à DTI en plus. Je crois que c'était quand je jouais à DTI. Je jouais, et j'étais sur la table de mon salon. Et bref, du coup j'avais l'ordi sur la table du salon et tout, et je voulais arrêter de jouer.
Donc je prends l'ordi et je me dis, vas-y, je vais le poser à côté de moi sur le canapé. Je l'ai pris, j'ai pris le Mac, je l'ai posé sur le canapé. Il n'y a pas eu de... Ça a pas tapé, quoi, je l'ai pas fait tomber. J'ai juste pris, je l'ai posé à côté de moi, l'écran qui devient noir. Moi, j'ai pas tité, j'ai dit, ah bah putain, il a dû se mettre en veille, ou j'ai peut-être dû appuyer sur le bouton pour l'allumer bêtement. C'est pas grave, de toute façon, j'avais terminé avec l'ordi. Et tout, j'y retourne après, je veux le reprendre pour faire mon montage. Et je vois l'écran s'allume plus, je suis en mode, ah, il a dû bugger et tout, vas-y, je vais refaire un redémarrage forcé, etc. J'ai fait 53 redémarrages forcés, pas d'écran. Je me suis dit, putain, c'est chelou. Et bah l'HDMI la plus proche c'était sur la télé, donc je me suis dit vas-y je branche sur la télé je vois qu'il y a l'écran qui fonctionne, j'ai dit bon bah super, il est dead. Et ce qui est pratique par contre c'est que le SAV d'Apple, ce qui est pratique, oui non, mais en gros tu peux avoir le SAV genre par iMessage. Du coup, je l'ai fait avec le téléphone et tout, j'ai expliqué. Elle m'a dit, bon, on va faire une manip. J'ai fait la manip qu'on m'a dit de faire, ça n'a pas marché. Ils ont dit, bon, bah, ramenez-le, c'est un problème matériel. Bisous. Donc voilà, je suis ravie parce que en soi, l'ordi, il est pas. Enfin, le Mac, il a. C'est 3 ans que je l'ai, quoi. Il est pas vieux, quoi, non plus. J'espère que je vais pas en devoir en racheter un parce que, ouais, je les ordi à 2000€, c'est bon, quoi. En plus, là, on rentre de vacances. C'est... Déjà, la réparation, elle va sûrement faire mal au cul, mais alors, si vous rachetez le truc en entier. À faire très 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 mal au cul, donc j'espère que je vais pouvoir le récupérer. Mais bon. Le Mac a pas supporté autant de triches sur DTI, je te jure. C'est peut-être Mia en fait. Elle s'est vengée. Elle a fait griller l'écran. Non mais je suis dégoûtée moi. Je suis dégoûtée. Par contre Coco, je suis devenue accro à Field of Mystria, c'est un enfer, je ne pense qu'à ça. D'ailleurs je suis en été dans le jeu et quand les persos sont sur la plage, ils sont en maillot. Oh non ! Oh putain, mais ça aussi, faut trop qu'on y rejoue. Vous savez que je n'y ai pas rejoué depuis les streams, parce que je me suis dit je vais pas me spoiler. Et on s'était dit, vas-y, je me fais un deuxième compte. Et au final je l'ai pas fait, enfin de deuxième profil, je l'ai pas fait parce que... Je me suis dit flemme si j'avance à mort, si après faut que je reprenne la même chose en stream, genre il y aura pas... La découverte, ce sera moins authentique. Donc j'y ai pas joué. Je me retiens. Mais en fait, je pense que le mois prochain, on va faire les mêmes jeux que ce mois-ci. Je pense qu'on va faire Field of Mystria et DTI. Jusqu'à février-mars. Non, je rigole. Non, mais je pense qu'on va refaire les mêmes jeux parce que banger sur banger. Hein. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Ce soir, j'ai voulu faire Cooking Mama parce que ça fait vraiment que je voulais le faire et je me suis dit, vas-y, c'est fun. On fait un peu de jeu DS parce que je sais que vous aimez Bien. Mais après, je pense qu'on va refaire... les autres, lol, parce que c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Franchement, c'est mon jeu préféré depuis Animal Crossing. Genre, ouais, il est vraiment cool, hein. Il est vraiment cool. Puis il y a plein de trucs à faire et tout. Franchement, trop bien. Trop bien. Je commence réellement à vouloir y jouer, là. Franchement, tu regretteras pas. Après, peut-être, je sais pas, quand est-ce qu'elle sort la version définitive, peut-être... En vrai, tu peux attendre la version définitive, genre si t'hésites un petit peu. Mais sinon, il est trop bien. J'ai compris plein de trucs dans le jeu. D'ailleurs, je pourrais te conseiller à... Ah bon ? Vas-y, donne des petits tips. Dis-moi. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir tant exploré que ça en stream. Tellement il y avait de trucs. Faudra que tu me dises. Coucou Coralie, j'ai regardé ton live de la semaine dernière. Cet après-midi, j'étais pliée. Merci beaucoup, merci. Du coup, je vais jouer là. Oh my god, mais tout le monde s'est mis à détailler après le stream. Ça me fume. En vrai, prochaine fois qu'on fait un live sur DTI, je pense, faut qu'on fasse un serveur privé au pire. Et on se note tous sérieusement. En vrai. On se note tous sérieusement. On fait tous les thèmes Prumdug. Et après, on juge au pire. Ça pourrait être grave drôle, hein. J'ai joué à DTI, j'ai fait que spam la pause 28, my god. Mais vous savez que grâce au stream, quand même, j'ai la ref pause 28 parce que c'est un peu... Souvent les gens ils écrivent ça, oh my god, pause 28. Et avant je comprenais pas, genre, pourquoi pause 28? Voilà, maintenant je me sens moins Gen Z, je me sens plus Gen Alpha. Je sais pas. En vrai, quel âge ils ont pour de vrai les gens sur Roblox? La moyenne d'âge. Ça se trouve, il y a plein d'adultes, enfin, Dress to Impress, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'adultes qui y jouent, Prumdug, donc je sais pas. Au fait, Coco, j'ai vu une collection de bijoux Winx en collaboration avec Réora Collection. Oui! Oui, j'avais vu passer ça. Ça fait un petit moment que c'est sorti. Oui, j'avais vu. Les bijoux sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Peut-être une commande un jour, je ne sais pas. Mais ouais, ils sont trop beaux. En plus, ça fait plaisir que ce soit des bijoux officiels, genre.
et que ce soit bien travaillé, parce que souvent le merch Winx c'est un peu du caca, rien qu'à voir les poupées qui sortent actuellement, c'est pas ouf, mais les bijoux ouais ils sont canons, ils sont canons. La pose 4 pattes me tue, mais celle-ci je la trouve pas moi, il y a des poses que je trouve pas. Et en plus, c'est des trucs que j'ai découvert bah, cet après-midi sur TikTok, parce que maintenant, même ma For You page, c'est que Dress to Impress, c'est n'importe quoi. Les poses, là, je les ai pas. Et j'ai découvert un truc, par contre, c'est qu'il y a grave une histoire. Nous, on a fait le jeu en stream, on a juste fait les thèmes normaux. En fait, il y a grave une histoire, il y a grave des trucs cachés et tout, une pièce secrète avec un lore un peu dark et tout. T'as l'ancienne nail artiste du jeu qui est gardée captive, nanana. Du coup, t'as des objets cachés, t'as des petites quêtes. J'étais en mode, waouh, je savais pas qu'il y avait tout ça. Et je trouve ça trop cool d'ailleurs. Que ce soit aussi... Je sais pas, moi, je pensais que c'était juste un petit dress-up game sympa. Et en fait, non, il y a tout un lore et tout, c'est trop cool. Dress to Findings, Feldup en fait, je te jure. vraiment. L'iceberg de DTI, là. De fou. Je suis sûre qu'il y a déjà quelqu'un qui a dû faire une vidéo sur ça, en plus. Franchement, c'est sûr que quelqu'un a déjà dû faire l'iceberg de DTI. Au moins en vidéo anglophone, c'est sûr, non? Attendez. Dress to Impress Iceberg. Ah non, je suis déçue. Il n'y a pas de vidéo sur l'iceberg de DTI. Même en vidéo anglophone. Il y a des vidéos sur le lore, mais pas sur l'iceberg. Do your job, hein. Là, faut que quelqu'un la sorte, la vidéo. Est-ce que tu as vu la collab de montre Casio Baby G Super Anna? Oui, j'ai vu passer. J'ai vu passer, c'est cute, mais alors je ne porte jamais de montre. Enfin, très rarement. Donc, j'en ferai rien. J'en ferai... La seule montre que je porte, c'est la montre connectée là qui va avec les téléphones, qui prend le truc cardiaque et tout. Mais si c'est une montre juste pour l'heure, bon, je la flemme. Je la flemme. Merci à Norik pour le Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, Coco Undercover sur DTI, c'est-à-dire en vrai, ça serait fun. Me chauffez pas. Me chauffez pas. Après, le truc, c'est que j'ai pas en soi énormément de connaissances sur DTI. Je pense qu'il y a des trucs qui sont vraiment très bien cachés et. Je sais pas si avec des recherches sur internet on peut trouver, mais je pense que les gens qui jouent depuis le début, ils ont dû voir passer plein de trucs. Parce qu'apparemment il y a souvent des mages, ils changent souvent les vêtements, le lobby, les thèmes et tout, donc l'histoire elle a commencé il y a un moment. Hein, parce que le jeu il est sorti il y a un moment je crois, ça fait plus d'un an je crois, non? Bon, je sais pas, mais en tout cas moi je me suis mise très tard quand même. Hein. J'ai bug quand j'ai vu ton tablier, je me suis rappelé du stream MDR. Ben, ça me rassure qu'on voit que j'ai un tablier, parce que je me suis dit, tu vois, c'est con, ça se voit pas. On le remarque quand même. Bon, c'est cool. En plus, je suis deg. Il est taché. Il est taché, je sais pas si vous voyez. Il y a de la tomate. Oh, ça va, ça se voit pas. Bon, j'aurais dû fermer ma gueule. Ça se voit pas. ASMR, super, je suis ravie, merci beaucoup. Pour l'ASMR. Comment ça va? Mais si vous faites tellement faire une game tous ensemble et juste bien nous noter entre nous et terre, mais oui, ça serait trop cool. Ça serait trop cool. Surtout si on se met tous à vraiment faire les thèmes. Parce que le problème, c'est que des fois, t'es dans des... Arrête de taper, toi. T'es dans des serveurs et t'as la moitié des gens qui comprennent pas les thèmes ou qui les font pas, qui jouent pas Prom-Tug, c'est pas drôle. Alors que si on est entre nous, tu vois, on le fait vraiment. Ça serait bien. C'est le putain d'appeler après tout. Oui, bah oui. Effectivement, effectivement. Jusqu'à 39 MDR du coup. Ah oui, il est 37 là. C'était pas, attendez. C'était pas une minute de base l'ASMR. Non. Y a pas un descriptif. Bon, l'ASMR, attendez, dans les récompenses. Y'a pas un descriptif, c'est combien de temps l'ASMR? Essayez pas de me douiller. Hein. Ah non, t'as raison. Je parle en chuchotant pendant 2 minutes. Ah putain. Je vais le modifier, je vais mettre 30 secondes. Putain, Coralie. Je me disais bien que j'avais rebaissé de base, j'avais mis 5 minutes. 5 minutes, c'était horrible. C'était horrible. Attendez, je bois un petit coup. J'ai soif, je vous jure. Ah. Je suis contente, Toto a trouvé. Je suis pas sûre, vous avez vu passer. Il y a les nouvelles monsters. Monsters, n'importe quoi. Red Bull. Hivernal, voilà, c'est mûr, givré et vanille.
le jeu. Il a joué le jeu. Il est 39, allez. Il est 39, j'en ai rien à foutre. C'est bon, ça a fait 2 minutes. Prochaine fois, je pense, je mets le chrono. Hein. Oui, oui, les gars. Non, on n'osera pas deux fois. Hein. On va pas nous niquer, nous. Non. Ouais, ouais. T'es, mais fixe longtemps, les gars. Je l'aime bien, mais voilà, mets-toi comme ça, parce que je vois pas le chat, ça va être complicado. Hein. Je fais juste une syllabe en ASMR, je te jure. Non, c'est pas gentil. Non, mais je voulais rajouter des trucs avec les points, parce que je trouve que c'est fun. Mais je savais pas quoi mettre. Genre, j'ai regardé sur Reddit et tout ce que les gens mettaient, mais c'est pas forcément folie. Je sais pas, faudrait que je trouve des idées. Vous avez des idées, vous, de trucs que je pourrais mettre? Ouais. T'en fais du boucan. Oui, ça se voit qu'on est plus en ASMR, toi. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre dans la récompense, parce qu'en soi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Puis c'est des trucs basiques, bah c'est les mêmes depuis un an, quoi. Donc, faudrait que je trouve autre chose, quoi. C'était violent, la transition. Ah bah... Pense, s'il te plaît, pense aux gens qui regardent la rediff et qui la mettent pour dormir et qui se sont endormis au moment du ASMR et qui se sont réveillés en sursaut. Désolée pour ceux qui nous regardent en rediffusion. Complicado, hein. Merci pour ces 2 minutes de plaisir. À ce point, c'est fort gentil. Si ça te fait autant plaisir, écoute, tant mieux. Hein. Il y a des récompenses qui changent des trucs au niveau de l'overlay, déclenchent des effets. Je crois que ça peut être marrant et comme chaotique. Mais peut-être chiant à mettre en place. Ah, j'avoue que ça pourrait être sympa. Putain, ouais, faudrait que je vois. Oh, genre des filtres. Et c'est mettre un filtre déformant visage, genre une voix... Vous voyez comme la voix, le modificateur de voix sur TikTok là. Putain, ça pourrait être bien ça en récompense. Faut que je vois comment faire. Si jamais j'arrive pas à le mettre en place, vous prenez la récompense et je me mets juste le filtre et la voix en raccourci avec le Stream Deck et je l'active solo. Mais en vrai, ça pourrait être fun. Attends, c'est où les notes? Encore une 150e note que je vais oublier d'aller lire. Non, je rigole. Mais attendez. J'avoue que c'est pas con. Récompense. On va mettre connerie overlay webcam. Ça, je souris. Non, je suis regardée, ça peut être sympa. Webcam. Ah. Hop là. Nouvelle commande. Dodo doit venir faire le live pendant 2 minutes. Oh! Oh, ça, on va le mettre. Ah ouais. Vous savez, j'ai plus besoin de mettre en pause. C'est Dodo qui vient faire l'animation. C'est lui qui vient faire la pause. Dodo vient animer le stream. Hop là. Dodo, est-ce que tu es d'accord? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'as pas ton mot à dire. Tant pis pour toi. Tu as du potentiel. En tout cas, tu peux déclencher des sons ou vidéos aussi. Faire plein de trucs. Ouais, non, je vais regarder. J'avoue que ça peut être pas mal. Et puis au moins... c'est plus... comment dire? Je sais pas comment dire ma phrase, mais je me suis compris. C'est plus sympa que de faire un truc, quoi. C'est vous vraiment qui lancez le truc. Et c'est pas moi qui vois et qui dois faire un truc à la con, quoi. Non, j'avoue que ce serait sympa, quand même. Ce serait sympa. Je regardais la rediff très soon press, c'était une conique. Merci de l'avoir posté. Bah, merci beaucoup, mais tout le monde a kiffé. Ouais, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, tout le monde a kiffé. My god, je pensais pas. Je pensais pas. Oh, d'ailleurs, attendez. Parce que je sais pas où ma chaîne Twitch... Enfin, ma chaîne Twitch, non. Ma chaîne de rediffusion a tourné, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a dû poster un lien quelque part, je pense. Parce que j'ai eu une vague, d'un coup, de dislikes, mais sur toutes les vidéos. Partout. Il y a plein de gens qui sont venus d'un coup. Donc je ne sais pas, sachant que de base, la chaîne de rediff, elle est assez privée, et puis elle n'est pas très visible. Les gens viennent pas forcément mettre j'aime ou je n'aime pas, les gens regardent juste et puis s'endorment devant, quoi. Donc écoutez, si vous avez que... Si vous voulez être gentil, je ne sais pas, mettez juste des petits likes quand vous regardez les rediffs. Voilà, ça ferait plaisir parce que je sais pas la chaîne elle est en train de tourner où. Mais bon, voilà. Ce serait juste gentil, merci. Je suis d'accord, quand tu prends les émotes avec les points, c'est pour un temps limité. Ouais, j'ai vu ça, mais je peux pas modifier, en fait. Parce que c'est une récompense de Twitch de base. Je crois qu'on peut pas... Bah, je peux pas voir, moi. Je crois que je peux pas mettre définitive. Alors, j'avoue que c'est con. Bon, après, c'est pour inciter les gens... Quoi? Ouais, c'est pour inciter les gens à prendre des subs qui font ça, mais... J'avoue que c'est con.
C'est con parce qu'au final, bah, c'est bien sympathique, mais si la mode tu la commandes dans un stream, bah voilà quoi. C'est pas. Mais non, mais viens! Est-ce que quelqu'un a déclenché Dodo anime le stream? Tiens, Dodo, il y a quelqu'un qui a pris la récompense, t'es obligé. T'es obligé! T'es obligé, Dodo! Allez, allez! Viens! Si, viens! Ah, il m'a dit, attends, il repart dans son bureau. Je ne sais pas s'il va y avoir. Je sens la connerie, je pense qu'il va ramener un livre ou des figurines, puis il va vous expliquer ce que c'est. Je le connais, hein. Non? D'accord. Ah, je croyais que. Non, 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 j'ai rien dit. Ah non, il est parti chercher un pitch, excusez-moi. Mais là, non, mais c'est bon, il y a des gens qui ont activé. Pourquoi t'es en tablier? Pourquoi je suis en tablier? Tu lis le titre des streams, toi, ou pas? Mais j'ai pas encore. J'ai mis en fond, mais j'étais en fiotte. Ah, bah, il est michto, le modérateur. Peut-être tu suis vachement ce qui se passe. Bah, allez, c'est toi. Ah, c'est vrai, c'est Cookie Mama. Bah, oui, c'est Cookie Mama. Oh, Dodo, quand même. C'est pas Dress pour en presse. Bah, regarde, tu vas faire Cooking Papa, là. Attends. Non, je sais pas. Non, mais vas-y, je te passais ta blé, c'était drôle. Non. Tu veux pas? Non. T'es pas drôle comme gars. Oh, il est pas drôle, hein. Ah, putain, c'est vrai, il y a trois écrans maintenant. Ah non, mais c'est une galère. C'est une galère. C'est bien que tu passes pour un 8K, ton pitch. C'est super, hein. C'est super, Dodo. Salut Lola. J'ai vu que t'avais les cheveux gras, mais non, c'est parce que t'as des racines un peu. Faut que je te refasse la déco, non? Non, faut que je mette genre mon sec. Non, ils sont pas gras. C'est juste, en fait, c'est la couleur de la racine, je crois, qui fait genre. Mais c'est ma petite chello, Dodo. Quoi? C'est où ton jeu en plus, toi? C'est sur quel écran? Bah, j'ai pas réussi à faire le truc, donc j'ai deux écrans, mais en fait, c'est la même chose. Mais elle est là? Oui. Non, mais non, ne fais pas le jeu, hein! Non, tu fais pas le jeu, hein! Genre, tu veux faire quoi, je te le jeu? Quoi? Salut. Non, mais là il y a deux écrans parce que c'est l'écran que j'ai pris pour le Mac, mais je n'ai pas réussi à le mettre en tant que deuxième écran, donc là il rediffuse exactement la même chose que sur l'ordi de base. Mmh. Je sais pas comment faire. Merci Dorian, c'est pas grave. Merci Dodo de me donner faim. Ah bah, c'est Dodo, hein. Toujours les pitchs, les. Non, tu manges les lentilles ou pas? Je sais pas pourquoi t'as faim. Mais comme ça, je les mange au pire. Bah, va manger les lentilles, alors vas-y, c'est bon. Que j'ai bien sûr bien préparé parce que je m'appelle Cookie Mama. Merci Jimmy. Merci Jimmy, oh, allez, c'est bon, dégage, c'est moi qui les ai faites. Les lentilles. Voilà, après le petit pitch, c'était son entrée. Il va manger sa potée de lentilles. Ah là 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 là. Non, bah reviens Negan. T'aimes pas les lentilles, c'est pas la peine d'y aller. Non, je sais même pas si c'est bon pour les chiens en plus, je pense pas. Ah, viens Negan. Oui, viens, on va jouer à Cooking Mama. Oui, viens. Tu feras Cooking Dog. Cooking Negan. Allez. Ouais. Récompense un pitch pour Dodo ou quoi? Oh, je te jure. Attendez, il y avait la récompense en plus avant. Un gâteau pour Negan, c'était quoi? Une friandise pour Negan? Je crois que c'était ça. Je l'ai enlevé parce que bah une fois il m'a vomi tout dessus après la récompense. Mais on va mettre ça en fait. Un gâteau pour Dodo. C'est ça. C'est ça. Non non mais Negan, il ouvre le frigo, il y a rien pour toi. Il y a rien pour toi, ne cherche pas. Ne cherche pas. Ah, on est vraiment dans le thème de manger ce soir, je te jure. Bientôt le live mukbang. Mukbang, mukbang. Je sais pas comment on dit. Bon, vous avez compris, hein. Vous avez compris. Mais trop, on va finir en mode tout le monde aura trop faim. Pensez à moi, à chaque fois, moi je mange après les streams. Mon ventre qui gargouille à chaque fois pendant 3 heures peut l'attester. C'est dur. Vous, ça va, vous pouvez manger vos petits trucs tranquilles. Bon. Oui, bon, bah Negan, je pense qu'il va pas rester très longtemps. Hein, parce que là, franchement, il entend juste la bouffe, il y a que ça qui l'intéresse. Donc ce soir, nous allons. Je suis sûre que vous avez entendu là par contre. Me dites pas que vous avez pas entendu l'euro de l'enfer. C'est très chaotique. Hein. Ce soir, nous allons jouer à Cooking Mama. Bon, moi dans ma tête, je m'étais dit, on joue à tous les Cooking Mama. Sauf que je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a 50 sur la DS, 50 sur la 3DS, 50 sur la Wii. Il y en a même un sur la Switch. Bon, il est pas fou sur la Switch.
Il y en a même un sur mobile maintenant. Il y a 50 000 Cooking Mama. Donc, ça ne sera pas possible, techniquement. Donc, je me suis dit, on va faire dans l'ordre chronologique. Le tout premier Cooking Mama étant sorti sur DS, on va faire le 1. Enfin, là, pour l'instant, j'ai le 1, le 2, le 3 sur DS. Ça me paraît peut-être déjà pas mal pour un stream. Surtout qu'en plus, bon, c'est toujours la même chose, c'est juste les recettes qui changent. Mais nous allons voir ça, nous allons voir ça. Le Cooking Mamaverse, je te jure, il y a une vidéo par contre sur ça. L'iceberg de Cooking Mama, c'est pas l'iceberg, mais faut que je la regarde en plus. Je l'ai mise dans ma... à regarder plus tard. Attendez. C'est une fille qui parlait et qui joue à tous les jeux Cooking Mama sur YouTube, attendez. Ces vidéos en plus sont vachement bien, souvent elle fait des vidéos comme ça sur des vieux jeux et tout. Cooking YouTube. Faut que j'arrête d'écrire et de parler en même temps. J'ai vraiment tapé Cooking YouTube dans la barre de recherche YouTube. Coralie, une seule chose à la fois, ça serait déjà bien. Eh ben je retrouve pas la vidéo, comme ça c'est fait. Si! C'est une vidéo d'une heure! Why are there so many Cooking Mama games? Et genre, je sais pas si vous connaissez, la chaîne c'est Liz the Lass. Je vais vous montrer le téléphone. Hein. Et elle fait beaucoup de vidéos, genre elle a fait une vidéo genre sur tous les My Sims, etc. Sur les Sims 2, sur les Herbs, sur les vieux Sims et tout. Franchement, elle fait plein de vidéos trop cool. Même sur Nintendogs et tout. Ces vidéos sont trop cool. Si jamais vous savez pas quoi regarder ce soir. Oh my god, screenez. Sa chaîne est trop cool. Je sais pas si ça a fait le focus. Mais sinon, tant pis. tant pis. Cooking YouTube sur Mama, totalement. Non mais les mots n'ont plus de sens. Hein. Merci beaucoup Billy the Kid pour le sub. Merci beaucoup, merci. Merci. Ah là 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 là. Ça te fait pas trop bizarre de plus avoir ton split air? Non, pas spécialement, ça va, tranquille. Ça me fait juste bizarre, ça me fait juste chier de pas avoir la couleur que j'ai ou que je veux, de base. Mais sinon, non, le split air, ça me manque pas spécialement. Ça m'arrange même pour me coiffer, là, je peux faire l'arrêt sur le côté, bon là ça se voit pas, mais au moins c'est plus pratique, quoi. The Very Strange Cooking Mama spin-offs, je vois ça, ça m'intéresse, merci pour la reco. Ah bah dedans, il y a le... Bah je crois que c'est ça sur la miniature. C'est le Cooking... bah non, Baby Sitting Mama avec le gros bébé en peluche sur Wii. J'y ai jamais joué, mais ma sœur l'avait. Et je crois que ce jeu, c'était un bordel. Genre, fallait que tu mettes la Wiimote, je crois, dans le bébé. Il fallait que tu berces le bébé. C'était vraiment n'importe quoi. C'était un peu Léa Passion Babysitter. Version Cooking Mama et version vrai bébé dans tes bras, quoi. C'était particulier, je n'y ai jamais joué. Mais je me rappelle voir ma sœur y jouer, c'était très bizarre. Mais bon, au moins il y avait de l'idée, on va dire ça. À l'époque, il y avait un type sur YouTube, Cooking Team, je crois, il s'amusait à refaire les recettes de Cooking Mama, version IRL, c'était sympa, j'attends ce concept en live. Alors, je connais pas du tout sur cette chaîne sur YouTube, mais il y a une meuf qui refait les recettes sur TikTok. Je crois qu'elle a les cheveux gris. Et elle met toujours bah, le bandana, mais je savais pas qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait fait sur YouTube, mais c'est trop cool. C'est trop cool. C'est grave drôle. J'attends le concept en live, c'est pas demain l'abeille. Moi je vais juste faire brûler la cuisine. Non, peut-être pas, mais je pense que je suis trop lente. Je suis trop lente pour les recettes. Je sais pas vous, mais alors moi je vais suivre une recette. Ça va te mettre temps de préparation 15 minutes. Je vais mettre 1h30. Donc il faut pas compter sur moi. Si je vous invite, il faut que je me mette à cuisiner bien bien avant. Même un truc très rapide parce que sinon je suis dans la merde. Par contre les recettes de Cooking Mama donnent faim, ça va être compliqué. Là j'ai déjà le ventre en gargouille. Oh non. Non, je vais tout faire cramer, vous allez voir. Ça va aller mieux. Bon, alors on va y jouer. On se met sur le 1 en premier. Et puis, bon on verra quand est-ce que... on switch. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous avez le son? Il est peut-être fort le son, je crois. Parce que sur DTI, j'avais mis le son fort, c'est peut-être trop fort. Je ne sais pas. Mais je sais pas pourquoi il me relance le bordel. Le son est bon? Ouais, je laisse comme ça alors. Vous avez vu, j'ai mis un petit fond pour pas que ça fasse des barres noires, j'ai mis un petit fond, j'ai tapé Cooking Mama Wallpaper. sur Google, excellent. Bon, c'est parti tôt.
J'espère juste que à la souris ça va aller. Ça me fait un peu peur, honnêtement. Parce que déjà au stylet c'était complicado, mais alors avec la souris je pense que ça va être un gros mess. On cuisine. Ah mais on a déjà tout? Ah d'accord, mais... Dans mes souvenirs on en débloquait au fur et à mesure, non? Putain, on a déjà tout en fait. Bon bah écoutez, on va essayer quoi? On va essayer. Gyoza grillé. Excellent. Incise, suis les pointillés pour inciser. Au fait, Dodo, tu peux mettre dans la bonne catégorie, s'il te plaît. J'y pense. Il y en a bien plus, non? Ah, peut-être. Peut-être, franchement, je sais plus du tout. Après, c'est le premier celui-là, donc il est peut-être court. Ah, franchement, à la souris, ça va être un enfer. Je suis extrêmement lente. Ah non, c'est bon. Parfait. Encore mieux que Mama. Très bien. Coupe en morceaux, touche le couteau rapidement pour couper le chou. Oh, je vais exploser la souris. Ah! Ça, faut que je me déplace en même temps en fait. Pour l'instant, on dette ça. Franchement, ça va. Coupe en morceaux, touche le couteau rapidement pour hacher l'ail. Ok. Ça va aller vite, il est tout petit. Bah attendez, par contre, si on fait un perfect sur la première recette, incroyable. Ajoute les ingrédients indiqués à l'écran supérieur dans le saladier. Let's go. Ah oui, il faut deviner sur l'écran là. Ça, c'est le sel. Ça, c'est quoi? C'est ça. Chou, ok. Ça, c'est le jaune d'œuf. Ah non, huile de sésame. Je reconnais bien, moi. Ça, c'est ça. Viande émincée, ok, et poivre. C'est tout? Attendez, on va faire le perfect. Hein. Le speedrun qui arrive, je te jure. Pétris en suivant la ligne jusqu'à ce que le compteur soit plein. Ah, il fallait faire des formes, ça je me rappelle. Avec la souris, c'est un enfer. Non! Je voulais faire le perfect! Non, on n'aura pas le temps! C'est trop loin avec la souris. Modifier la recette. Mais comment ça? Gyoza frit, aucune modification. Ah, est-ce qu'on passe de grillé à frit? Non. Non, moi je le veux grillé, je le veux pas frit. Touche la pâte, puis la farce pour plier le gyoza. Let's go. Par contre, j'avoue que ça me donne faim aussi, mais j'aime bien ça, moi. C'est bon. Ok. Tu vas en faire combien? 5? Oh là! Allez! Ça, vous pouvez admirer pendant tout ce gameplay incroyable. Ma petite souris Lala. Allez, Coco! Ah non! Non, 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 non! J'aurais pas le temps. Allez, le dernier, le dernier. Ah non! Ah putain! Dégoûté. Bon bah on va avoir ouais, médaille d'argent. Mets la quantité indiquée dans la poêle et tourne le bouton pour faire sauter. Let's go. Alors, combien? 2 pour Mama, 1 pour Papa, 1 pour toi. Oh non, moi j'en voulais plusieurs. Hein. 4, ok. 2 pour Mama, 1 pour Papa et 10 pour Coco, non? Oui. Bon, ça va être facile, je pense. L'addition était compliquée. Hein. Bon, combien de points? 90? Ah non, 85! C'est pas fou, hein. Par contre, le petit tableau était trop mignon. Genre avec les dessins à la craie, c'est trop mignon. Nouvelle recette ajoutée, rouleau de printemps. D'accord, donc en fait, oui, on avait bien pas toutes les recettes. Écoutez, c'est quoi ça? Steak? Non. Spaghetti à la napolitaine, pourquoi pas. Curry de porc et riz. Œuf au plat sucré. Ok. Côtelette de porc. Pourquoi la côtelette de porc et l'œuf au plat, c'est la même chose? Soupe miso. Poulet frit. Sandwich. Poisson frit.
J'ai bien envie de faire les spaghettes, moi. Ouais, on va faire ça, petit spaghetti. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, Jeanne, pour le sub. Merci beaucoup. La souris a tout niqué, on devrait l'appeler Arctic Fox, la souris. Je te jure. Je te jure. Attendez, j'ai fait préparer pour l'entraînement, j'espère. Hein. Bon, c'est bon. Non, mais en fait, le truc, c'est que bah, la souris, elle est pas mauvaise. C'est juste que bah c'est plus lent de faire la souris que quand t'as un stylet, quoi. Pourquoi les plats sautent déjà? Ben, ils dansent en rythme, c'est tout. C'est tout à fait normal. Fais cuire un œuf à la coque en suivant la recette. Attends, quoi? Cuis les pâtes et fais cuire un œuf à la coque. Ben, on fait cuire un œuf ou des pâtes? Pas compris. C'est des pâtes, c'est pas un œuf. Ah merde, ok, faut appuyer en rythme. Ok, pâtes. Oh, mais non, il faut souffler sur la DS. Ah, ça a marché. J'ai même pas soufflé, mais... Ça marche quand même, apparemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai touillé, je crois, quand il fallait souffler, c'est ça? Bon. Pourtant, les pâtes, c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Enfin, bon. Si on galère déjà juste pour cuire des pâtes, c'est compliqué à dos. Hein. Penche la casserole pour sortir les pâtes. Ne la penche pas trop et attention à la quantité d'eau restante. Ok. Ok, ça devrait aller. Ah! Non! Les pâtes, elles ont mal dingué à côté! Non, mais c'est long, là! Bon, il y a déjà la portion de papa qui a volé, hein. Il manque à la moitié, hein. C'est pas grave. Allez, modifier la recette. Spaghetti bolognaise, spaghetti aux fruits de mer. Oh, je mangerais bien ça, moi. On va faire fruits de mer. Hein. Let's go. Épluche la crevette. Bouge la tête de haut en bas pour l'enlever et tire la carapace et les pattes pour l'éplucher. Let's go. Par contre, vous savez que éplucher les crevettes, IRL, je n'arrive pas à arracher la tête à la main. Je prends le couteau, moi. Je trouve que c'est plus simple. On s'en fout. On laisse la queue. Ok. Putain, je mangerais bien des crevettes, là. Oh, des bonnes crevettes. Juste avec de la mayo, franchement. Je suis pas chiante. Petite crevette, là. Putain, j'aurais pas le temps. Non! Enlève tes pattes de merde! Non! Il manquait un mini bout! Il manquait un mini bout! Coupe le calmar. Enlève les tentacules, ouvre la tête, puis coupe le calmar. Alors attendez. Parce que moi, j'ai toujours dit calamar. Mais je sais qu'il y a des gens qui disent calmar. Est-ce que calamar, ça n'existe pas? Et c'est vraiment calmar ou est-ce que les deux se disent? Très bonne question. Non mais elle abuse maman avec son chrono aussi, c'est top chef ou cooking mama, je te jure. Je suis en train de me dire par contre que pourquoi Philippe Etchebest, à l'époque de la DS, il y avait quand même des jeux sur tout n'importe quoi. Pourquoi Philippe Etchebest a pas fait une concurrence à cooking mama, wesh? Ça aurait cartonné? Ah! Genre cooking filou, ça aurait été trop bien. Les deux se disent, merci, merci. Bah moi j'ai toujours dit calamar, écoutez. D'accord. Et vous êtes plutôt calmar ou calamar? Il est pas assez kawaii. Tu rigoles? Franchement, imaginez Philippe Etchebest avec le cara design de Cooking Mama. Comme il est chauve en plus, il pourrait mettre des petites sparkles sur son crâne en mode un peu crâne luisant et tout. Je pense qu'il pourrait être grave cute, hein, dans Cooking Mama. Petit sondage calmar, calamar ou clamsé? Ah! Calamar aussi? Moi, ça me rassure. Touche le couteau rapidement pour hacher l'ail. Bon, ça, on l'a déjà fait. C'est pas compliqué, ça va. Ça prend vraiment 2 secondes. Par contre, on a quand même eu pas mal de médailles de bronze. Hein. Fais sauter. Touche l'icône pour ajouter les ingrédients et fais sauter le tout sans brûler. Ok. Par contre, c'est juste dans du beurre. Ok, c'est crevettes, calamar, ail, c'est tout? Ah merde, faut touiller, je crois. Ah, mais je crois que j'aurais pas dû tout mettre en même temps.
Parce qu'il y a des trucs qui vont cuire plus vite que d'autres. C'est ça? Allez, vous voyez? Là, il est cuit. Et le calamar et la crevette, non. Allez, le calamar cuit, c'est bon. On est bon. Ah, fais sauter. Bouge légèrement la poêle verticalement pour faire sauter sans brûler. Avec les pattes? Tu vois, moi j'aurais mis un petit peu de crème fraîche et un peu de vin blanc. Genre une petite sauce marinière avec de la crème. Ça serait bien passé. Là, ça va être... Pourquoi elle saute pas la poêle, là? Non, ça grimpe! Non! De toute façon, elles ont pas l'air bonnes, tes pâtes, au final. Non. Là, c'est juste au beurre, en fait. Oh! 42 points. Attendez, on n'a même pas la médaille de bronze. Parce que tout à l'heure, on avait une médaille. On avait la médaille d'argent tout à l'heure, je crois. Ou j'ai rêvé. C'était que les points. Bon bah écoutez, c'est un flop. Hein. On a la médaille de seum, moi je crois bien. Ah oui, on a vraiment aucune médaille. Bon bah voilà. Ah c'est ça. Combien de faire? Spaghetti aux fruits de mer, ok. Ah d'accord, donc en fait quand tu fais une recette... Ah, le takoyaki. Allez, on se fait un petit Marvin. Dodo, t'es debout? Dodo, si t'es debout, ramène... Ah, j'ai plus parlé. Ramène le Marvin. On va le manger. Se faire battre par des CM2 la semaine dernière et maintenant par des batteries, je te jure. C'est compliqué, hein. Allez. Allez, le petit Marvin. On va te déguster. Touche l'icône et lorsque c'est prêt, coupe en suivant les pointillés. Sachez que je n'en ai jamais mangé des takoyaki en plus. Allez. Le pied de Marvin. Oh, c'était pas trop dur. C'était pas dur. Après, je suis pas trop fan du goût du poulpe de base. Non mais, attendez. Dodo, tout à l'heure, il vient, il ramène un peach. Après, il me demande s'il peut manger le reste de lentilles. J'ai pas mangé, je te l'ai dit. Ah, t'as pas encore mangé les lentilles. Et là, il se ramène avec un saucisse. Non mais t'es dégueulasse. Non, mais t'es dégueulasse. Il est fou que ça se mange comme ça. C'est un fouet. Fouet. Il est dégueu, il vient de grailler le saucisson comme ça, genre à la... T'es dégueulasse. Franchement, t'es dégueulasse. Non, ça se mange comme ça. Et moi, si je voulais en manger... Bah non, j'ai plus envie de croquer, mec. Il a vraiment... Genre en mode... homme de compassion. Bon. J'ai le takoyaki, ça y est. On va pouvoir manger Marvin. Je vais manger des quoi? Des tteokbokki? Mais il y en a pas dans Cooking Mama. Bah écoute, commande. Ah mais il est taché. Il n'y en a pas. Celui-là il est taché. Oh non, il est taché. Bravo, mieux que Marvin, je te jure. Dodo et son poki à la viande. Je te jure. Bon, alors, c'est pas le tout mais on bosse nous. On a un restaurant à faire tourner. Ajoute les ingrédients indiqués à l'écran supérieur dans le saladier. Ok, c'est le même truc que tout à l'heure, ça devrait aller. C'est l'huile? Ah c'est un... Ruf? Non! Mais j'ai pas eu le temps. J'ai été perturbée, comment ça c'est du... C'est quoi Ruf? Comment ça mon Ruf? C'était un œuf et il y a eu un problème de truc où le Ruf existe. C'est quoi un Ruf? Ruf? Non, ça n'existe pas. Ruf cuisine. Non mais je crois que ça n'existe pas. Mais c'est de votre faute là, vous m'avez perturbé. Pétris la pâte dans le saladier jusqu'à ce que le compteur soit vert. Let's go. On va pétrir avec le ruf. Allez. Ah faut qu'on ralentisse. Par contre, pourquoi le petit diamant dirait le diamant des Sims? Le plum bob? Oh, j'ai dead. J'ai bien mélangé le ruf. Déjà, fais un takoyaki en robe des morceaux de poulpe de pâte mêlés sur la cuisinière et la lune. Ok. Ah!
D'accord, ça a l'air bien comme appareil. C'est comme les trucs à gaufres. Comme les crêpes parties. Takoyaki parties. J'ai la vision. Ah non, je l'ai raté celui-là. Ah merde. Faut les retourner. Mais pourquoi je peux pas le retourner? Mais pourquoi je peux pas le retourner? Mais je clique. Mais je clique. Non, non, ils sont tous brûlés. Non, mais je clique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je clique. On a tout fait brûler. Marvin a pris feu. Bah j'ai zéro là. Oh là 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 là. Bon, bah bon appétit. Qui veut des takoyaki grillés? Oh non, on t'a même pas rendu hommage Marvin. Okonomiyaki, d'accord. C'est quoi ça? Salade de pommes de terre? Oh non. Riz bouilli. Légumes sautés. Steak haché. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Allez, un petit sandwich triangle. Normalement, difficile de rater un sandwich triangle. Ça devrait aller. Est-ce que ça sera de mon niveau? Et puis la salade, enlève les feuilles en tirant sur la dans la direction de la flèche, ne tire pas trop fort. C'est parti. Puis bitchbesté. Ah bah j'ai déjà pété la feuille. Ah bah voilà. Ok, je pouvais pas faire plus. Ok, j'ai juste arraché une feuille. Après, c'est pas grave, souvent dans les sandwichs triangles, ils sont coupés en petits morceaux, hein, les feuilles de salade, c'est pas grave. Touche le couteau rapidement pour émincer le concombre. Ah! Notez les recettes, hein. On va le faire à quoi le sandwich? Étape 1, allez à Corar et on snack, je te jure. Coupe la tomate en tranchant de haut en bas avec ton couteau. Non, moi, vous voyez, je suis pas trop tomate, moi. Ah, puis elle est dure, en plus. Hein. La peau est dure. Non, pas bon. Non! Ah, putain. Ah bah, même le sandwich triangle, c'est pas fameux. Prépare un sandwich. Ah, mais c'est juste salade, concombre, tomate? Y a pas de sauce, c'est rien? Mets différents ingrédients entre deux tranches de pain et touche terminée quand tu as fini. Mais il va être sec ton sandwich là. Franchement, il va pas être très bon. Hein. Ah, je mets ce que je veux? Bah écoute, la salade, le concombre. Moi j'aime pas la tomate. C'est quoi ça? C'est du jambon? Plus l'air très bon. Le fromage, ouais. Pas de tomate moi, je vais remettre concombre. Remettre un peu de salade, remettre un peu de concombre. Un peu de fromage. Un peu de concombre. Ah, je peux... Merde. On va enlever la dernière tranche de concombre, faut quand même doser. Voilà. Pas mal. Pas mal ce sandwich. Regarde. C'est pas... Oh, hey, comment ça, la médaille de bronze, là? Oh, je me suis appliquée, hein. C'est plus un sandwich au concombre, c'est un concombre au sandwich, en fait. Non, ça avait l'air bon. Hein. Pizza! On va faire ça. Let's go, la pizza. Elle est où? Allez. Ciao, moi. Elle est sympa, la maman, parce que ton truc donne pas du tout envie. Comment ça? Pour sandwich au concombre! Oh, c'est pas gentil, hein! Ajoute les ingrédients indiqués à l'écran supérieur dans le saladier. Bah, ça va. Enfin, je dis ça, mais tout à l'heure, j'ai été perturbée par le ruf. Huile d'olive. Ah, oui, c'est plus le ruf. Levure sèche. Eau chaude. Ok. Ah, on fait la pâte à pizza. Ok. Ça va. Pétri en suivant la ligne jusqu'à ce que le compteur soit plein. Ça va être de mon niveau. Ah non. Ah non, s'il faut faire les tourniers... Ouais, voilà, là je suis morte. C'est trop lent, la souris.
On fait la pizza en perfect. Je vous le dis. Je vous le dis. Étale la pâte, déplace le rouleau verticalement et latéralement pour étaler la pâte sans dépasser du... On fait la pizza en perfect. Bah elle est parfaite. Elle est parfaite là. Allez, la gagne. Merci maman. Coupe la tomate en tranchant de haut en bas avec ton couteau. Mais elles sont trop dures tes tomates, maman. La peau, elle est épaisse, là. Elles sont pas bonnes, tes tomates. Non ! La dernière tranche de tomate ! Non ! Ça, c'était si bien parti. Pizza de la cooking, maman, putain, oui ! Oui ! Les couteaux de maman sont pas fameux aussi. Ah, je te jure, faut aller les faire aiguiser, là. Ils sont pas fous, hein. Coupe la saucisse en tranchant de haut en bas avec ton couteau. Attends, quoi ? Pourquoi on fait tranche de tomate et... Ah, c'est pepperoni, c'est ça ? Ouais, chorizo. Ah non, franchement, ce couteau, il coupe rien. Tiens, tu demandes à Dodo, lui, il croque dedans. Comme ça. Ah non, on n'en pourra jamais finir. Putain, j'ai des couteaux de cuisine action, ils coupent plus que ça, s'il te plaît, maman, là. Ah bah oui, mais bon... Tiens, Dodo, il aurait mis un coup de canine, ça aurait été plus vite. Étale la sauce à pizza et touche terminée quand tu as fini. Alors... Comment on met la sauce? On peut faire des dessins? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce... Oh, attendez, on a du temps. Ah, on peut pas faire d'étoiles. C'est horrible. C'est vraiment moche. C'est vraiment moche. C'était vraiment horrible. J'ai vu la miniature, enfin... La miniature de l'étape, là, c'était mignon. Mais en fait, c'est le truc qui est trop large. Ajoute autant de garnitures différentes qui te plaît et touche terminée quand tu as fini. Ah, je vais faire à mes goûts, alors. Alors, on peut mettre quoi? Fromage, tomate, champignons... Pepperoni, je pense. Jambon, crevettes. Pizza fruits de mer, j'adore, mais je préfère sur une base crème fraîche, quand même. La meuf est exigeante, en plus, hein. On peut déplacer... Oh, ok. Attendez, j'ai la vision. Crevettes champignons. Hop. Ah non, ça tombe mal, merde. Faut qu'on espace. Pourquoi on dirait une horloge ? Ouais, mais au milieu, on va remettre pareil. J'ai jamais vu un pizzaiolo se faire chier autant. À mettre la garniture, normalement ils prennent une poignée comme ça, hop là, c'est parti. Y a pas assez de champignons. Hein. Ah, mettre du fromage à mort. Voilà. Ça, on voit plus rien. On a fait tout ça pour rien. Mais il faut beaucoup de fromage sur une pizza, je suis désolée. Voilà. J'essaie de combler les trous. Voilà. Non. Dégage le champignon. Non. Non. Bon, on fera pas mieux. On fera pas mieux. Par contre, en vrai, elle est pas folle la pizza. Hein. Juste tomates, champignons, crevettes, fromage, y a pas grand chose dessus. Hein. Ah, indique le temps de cuisson de la tourte. Alors, madame, c'est une pizza. Hein. Mais c'est combien de temps? 10 minutes! L'étape la plus compliquée ever. Ever. Waouh.
Mais du coup, franchement, je pense que j'ai bien noté. 87. Je comprends pas parce que je pense que c'est une image. C'est l'image de fin. Mais en fait, on dirait vraiment quand même ma pizza. Donc je comprends pas trop. On dirait vraiment les crevettes champignons, comme j'ai mis. Mais c'est bon, tu m'as fermé ma gueule. Tourte, ah voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça peut être marrant peut-être de faire la soupe. Bon après perso j'aime pas, soupe miso j'aime pas du tout, mais ça peut être drôle. Allez, c'est parti. Qui met des crevettes dans les pizzas? C'est trop bon les pizzas fruits de mer. Avec les crevettes, les moules et tout, c'est trop bon. Merci maman. Modifier la recette ton girou. Qu'est-ce que c'est? Bah on va prendre ça parce que je connais pas. C'est quoi? Coupe le couteau rapidement pour émincer la carotte. C'est toujours une soupe ou on est sur autre chose là? On va bien voir ce que ça donne. Hein. Bon bah c'est simple. Hein. Je juge, j'aime les pizzas à l'ananas. Oh bah! Alors s'il te plaît! Je juge pas. Ah voilà, voilà, merci, merci. Je valide pizza, fruits de mer, une tuerie. Mais oui, c'est trop bon! C'est trop trop bon! Touche le couteau rapidement pour émincer le radis. Ok. Ah oui, vache, c'est un gros radis, oui. Bon, c'est juste du découpage, ça devrait aller. Coupe le konjac en tranchant de haut en bas avec ton couteau. Je savais pas, enfin je savais pas, oui, que le konjac ça se mangeait. Dans ma tête, le konjac c'est une éponge. C'est l'éponge ou c'est autre chose? Ah, ça ressemble fort à une éponge. What the fuck? C'est peut-être bon, j'en sais rien. Hein. Mais c'est les éponges naturelles pour le visage, normalement, le konjac. Qu'est-ce que c'est? Konjac à manger. Konjac et aliment. D'accord. C'est une plante qui ressemble à une patate mais marron. Un peu, ouais, ok. Mais est-ce que c'est la même chose que l'éponge ou pas du tout? Bah je saurais pas. Ok, bon bah une fois découpé, ça ressemble à une espèce de nouille blanche. Bon écoutez. Les pizzas escargots, c'est le pire. J'adore les pizzas escargots. Pourquoi? Comment ça les pizzas escargots? Escargots ça existe? Si, ça existe avec les escargots dessus. Les beurres d'escargots, c'est trop bon. J'aime les pires pizzas ou quoi? Par contre ananas, moi je mange pas. Mais pizza escargot, c'est trop bon aussi. Mon dieu. Silicone pour acheter les ingrédients et fait sauter le tout sans brûler. Ben on est plus sur une souplette alors. Parce que là c'est recette surprise, je ne sais pas ce que c'est. Comment c'est l'ordre de cuisson? On sait pas. Carotte c'est long à cuire. Radis je sais pas. Konjac j'en sais rien. Porc c'est long à cuire aussi. On va tout mettre en même temps. On verra bien. Un peu long là. Peut-être pas que je touille en fait. Ah non, ça commence à cramer. Carotte est cuite. Les carottes sont cuites, s'il vous plaît. Ok. Putain, j'aurais dû mettre le porc en premier. Allez, cuisez, s'il vous plaît. Non! C'est bon. Oh, ça va. Oh, c'est bon, hé! Hey, c'est bon, c'est bon. Franchement, c'était pas cramé non plus. Hein. On était bon là, maman. Quand même, quand même. Prépare le tonjiru en suivant la recette. D'accord, donc c'est quand même une soupe, ok.
Alors, mélange, ok. Normal, ok. Yes. Mélanger. C'est quoi ça? C'est pas. Ajouter. Miso, ok. Ok. Fort. Mélanger. Ajouter. C'est quoi? Ce soja, ok. Mélanger. Normal. Non, non, merde! Non, j'ai trop vite. Mélanger. Doux. Bah, hé! Certaines maîtrises, hein? Franchement, pas mal. Comment ça? Comment ça, bien? Comment ça, bien? Juste une fois où j'ai été trop vite, c'est tout. Ok. Oh là là. On n'aura aucune recette en goldé, en fait. Oh là 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 là. Bah, un steak. C'est pas si dur à faire, en soi. Dénerve la viande. Mémorise bien les endroits coupés. Ah. Ok. Ah, c'est tout? Ah, ok. Il bon, fallait juste faire des entailles. Bon. Ça devrait aller. Ajoute un assaisonnement jusqu'à ce que le compteur soit plein. Ok. C'est bon? On peut faire un perfect sur un steak, hein. Fais fondre le beurre. Ah! C'était mon étape préférée quand j'étais petite. Et genre... Non! J'étais trop lente. Je trouvais toujours ça trop mignon de bouger le beurre dans la poêle. Oh non! Non, modifie pas. On reste sur un truc rapide. Je veux les points, je veux la médaille, moi, maman. Oh non! Oh non, putain, j'ai une médaille de... d'argent. J'aimerais bien terminer le stream quand même et avoir fait une recette, une petite recette. Goldé quand même, c'est très bien. Par contre, la viande, en fait, on a juste mis du poivre et du beurre, c'est tout. Ça va pas être fou, hein. Ça va être phase. C'est bon, c'est cuit là. Elle est cramée ta viande. Ouais, bah franchement ta viande... pas l'air fameux, hein. Présente le plat, ouais. C'est une semelle le machin. Ah, qui c'est steak frites. Ok, steak frites. Ah, il parle du frit, on est gourmand. Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Ah, mais des petits brocolis, moi j'aime bien. Tomate, j'aime pas. Maïs, j'aime bof. Carotte, j'aime bof. Bon bah, ce sera juste brocolis. Un petit peu de maïs pour dire, voilà. Mais ça, ça c'est cute, on dirait un peu du... herbe, non? Bah ouais, c'est bon. On va dire que c'est ça. La forêt de brocolis, vraiment, on dirait des petits arbres. On dirait vraiment des petits arbres. Bon, bah là, on devrait être pas mal. 90. Bah ça va, ça va, ça va. Y a de la progression. C'est des haricots, tu penses? Des haricots verts? Pourquoi il manque le bout à la fin? Nouvelle recette. Porc sauté, ok. Attendez, parce que dans l'accueil, il y avait d'autres trucs. Fais des mélanges, test, option. Fais des mélanges, je sais pas ce que c'est. On va faire le riz basique, là, riz bouilli.
Ah, que veux-tu ajouter à ribouiller? Ok. D'accord, c'est pour ça qu'il y a curry, riz et pâtes. Ok, c'est juste pour faire un plat plus conséquent. Ok. Et test, c'est quoi? Ah, ok, c'est juste les étapes. Ok, ça sert à rien en fait. On retourne dans la cuisine. Bah souvent dans la cuisine japonaise, ils coupent les extrémités et s'en servent comme déco, je crois. Ah, peut-être, ok, d'accord. Je savais pas du tout. D'accord. Bah j'aurais pas dû en mettre alors parce que je déteste les haricots verts. Bon. Les pâtes, on en a déjà fait. On va faire le curry, hein. Allez. Déplace l'économe de haut en bas pour peler. Oh là là. Ah oui, non, mais là, il y en a pour 40 ans, là. Ah, il y en a pour 40 ans, là. Ah non, mais là, on est mort. Mais même en vrai, hein, je mets 30 ans à faire ça. D'ailleurs, j'arrive mieux au couteau qu'avec l'économe. Ah non, mais là, attends. Par contre, elles sont vachement rondes, ces patates, hein. Ou c'est autre chose, mais... On dirait la lune. C'est les faces de la lune, regardez. Mais je peux pas éplucher plus, là. Mais faut que tu me tournes le truc, hein. Ah voilà, merci. Allez, au moins deux patates. Au moins deux patates. Sur les quatre. Elle va me tuer, maman. Ah non, ça va. Ok, médaille d'argent. Bon. Bon, bon, bon. Éplucher la lune, ça ne me fait pas peur jusqu'à la pelure. J'épluche encore. Je te jure. Amel économe. Modifier la recette curry de bœuf. Bah, y a un problème. Ah, t'es gêné de comprendre. Pourquoi tout à l'heure on a eu ruf, enfin un truc qui ressemblait à ruf et suf. En fait, le E dans l'eau, il est pas, il fonctionne pas dans le jeu. Curry de bœuf, curry de légumes. Et là, on avait curry de porc. Bon, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Tranche. Alors, les carottes. Ok. Ok, ça va. Jusque là, tout va bien. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est la patate bizarre là? C'est la patate lune? C'est quoi? C'est un oignon, je pense. Ah ouais, d'accord, mais il va être gros les bouts d'oignon là-dedans. Coupe le porc en tranchant de haut en bas avec ton couteau. Oui, mais mama, tes couteaux, on sait comment ils sont. Hein. Non mais là, franchement, maman... Ah non mais là... Je crois en fait elle nous fait couper avec des couteaux à beurre, c'est pas possible. Oh là 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 là, maman... Ah non mais là... Ce n'est rien, maman va arranger ça. C'est au couteau. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël ou d'anniversaire pour maman, vous lui offrez des couteaux aiguisés, s'il vous plaît. Aidez-la, parce que là, franchement, c'est plus possible. C'est plus possible. Tu coupes de la viande plastique de Walmart, en fait. Ouais, je crois que ça doit être ça, ouais. Silicone pour ajouter des ingrédients et faire sauter le tout sans brûler. Allez. Les pommes de terre lune. La carotte. Ah, j'aurais dû mettre le porc en premier, ça va être le plus long. Les oignons, souvent, ça cuit vite, hein. Ah non, bah pardon. Vu les morceaux, ça va être très lent à cuire. Excusez-moi. Ah merde, la patate est cuite. Carotte aussi. Le porc aussi. Et pas l'oignon. En même temps, tes oignons, t'as vu les blocs que t'as mis, maman? Franchement, là... prochaine fois, mets-le entier, hein.
Parce que là, ça peut pas cuire, hein. Touche le robinet pour remplir la tasse et verse-la dans le bocal jusqu'à la ligne. Bon, ça devrait aller. Ah, ok. Faut qu'on dose, ok. On en refait un entier. Après une goutte. Trop facile. En attendant, Mama, c'est une chef comme une autre. Elle fait que hurler sur son personnel, elle fait rien. Exactement. Exactement, pas très sympa. Hein. Fais mijoter en suivant la recette. En fait, la seule fois où j'ai merdé, la seule fois pardon que j'ai merdé, ah souffler, je peux pas, ça marchera pas. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai perdu tout à l'heure. On peut pas souffler, Mama. Le peu de médailles, c'est affligeant. C'est quoi ça? Porc sauté. Et au curry. Rouleau de printemps. En vrai, rouleau de printemps, ça doit être facile. Okonomiyaki. Tourte. Bon, le rouleau, ça devrait aller, non? On y croit. Ça va aller, Coco, t'inquiète. J'espère bien. Ah, rouleau de printemps aux crevettes, en plus. Ça va être bon. Mais au Japon, leurs crevettes, elles sont marron? Ou Ah non, je suis con, les crevettes, elles sont roses que quand elles sont cuites, c'est ça? Je sais plus. Franchement, de tout le jeu, c'est les crevettes qui me donnent le plus faim. Allez, 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 allez! La dernière, casse-toi! Oui! C'est l'espèce qui est marron. Ok, ok. On va couper, c'est parti. Ah non, pas... Ah non. Pas tout écrasé comme ça. Touche l'icône et lorsque c'est prêt, coupe en suivant les moitiés. Dans les rouleaux de printemps, j'aime bien quand il y a des moitiés de crevettes, mais genre qu'elles sont entières, c'est bon. C'est con, celle de la bouillie. C'est juste ça qu'il fallait faire? Bah ça va. Ça va. Suis les points aussi pour inciser. C'est tout? Alors là. On croit au perfect. touche pardon, le couteau rapidement pour couper la pousse de bambou. Ok. Ah, c'était ça qu'on faisait depuis tout à l'heure. J'aime pas trop, moi. Bouge latéralement les racines des germes, ne tire pas trop fort. Ok, quoi? On fait quoi? Faut juste faire ça? Elle est génialement drôle cette partie. Oui, on a toujours la même chose. Hein. Ajouter ses ingrédients indiqués à l'écran supérieur dans le saladier. Oh non. J'ai pas réussi à lui couper la queue. Putain. Je suis dégoûtée. J'ai tout parfait en fait. Touche l'icône pour ajouter les ingrédients et fait sauter le tout sans voler. Bah je mets tout en même temps. On verra bien. On verra bien. Écoutez. Ok, donc c'était bien une crevette crue sur ma figure maintenant.
Et par contre, pour moi, rouleau de printemps, c'était fait qu'avec des aliments crus à l'intérieur, non? Il doit pas être rouleau de printemps comme je pense, je sais pas. Après oui, le bambou, je me doute qu'il doit être cuit, parce que c'est déjà vachement dur comme truc, donc je pense. Mais je sais pas. Bon, cuit le bambou là, putain, non, non. Voilà, étoile d'argent, enfin médaille d'argent. Oh. On va jamais arriver. Touche la gâte de riz plus les ingrédients pour enrouler le rouleau de printemps. Oula. Et compliqué, hein. Je travaille pas à la poste, hein, pour faire les enveloppes comme ça, moi. J'aurais jamais le temps. Non! C'est bon, c'est mouillé. Allez. Dégage. Fais frire, ajoute les ingrédients, puis attends qu'ils remontent et changent de couleur pour servir. D'accord, mais je savais pas que les rouleaux de printemps, ça se faisait... Enfin, il y en avait que tu faisais cuire aussi. Mais du coup, c'est un peu comme des nems, non? Moi, dans ma tête, rouleau de printemps, c'était la feuille de riz comme ça, mouillée. Et les trucs genre concombre, salade, carottes, crevettes et tout dedans, mais cru. Je savais pas que ça se faisait cuire et tout. On dirait vraiment des nems, en fait. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas, j'ai jamais goûté. Là franchement on a dead. 80, putain. C'est plutôt des nems, ça se dit spring roll en anglais, donc c'est peut-être une mauvaise traduction. Ah d'accord, ça doit être ça, ouais. Je sais pas du tout. Choumaille. Qu'est-ce que c'est un gâteau? Ok, c'est quoi ça? Ah oui, okonomiyaki, je n'ai pas arrivé à le dire. Tourte comme l'autre. Shumai, je veux bien voir ce que c'est ça. C'est un dessert? Après, on fera une petite pause hydratation. Merde, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est quoi? C'est quoi? C'est des herbes? C'est... C'était quoi? Ah non! C'est un oignon vert, c'est ça? Je sais pas vu ce que c'était. Non, c'est un oignon là, donc ça devait pas être un oignon, le truc avant. Je sais pas. Attention, on coupe l'oignon, mettez des lunettes. Hein. Ne pleurez pas chez vous. Hein. Le rouleau de printemps et les nems, c'est la même chose, mais de noms différents. Ah bon? Ok, je savais pas du tout. Pour moi, nems, c'était genre cuit avec de la farce, mais genre en petits morceaux. Et le rouleau de printemps, c'était cru, mais avec des trucs coupés en lamelles, quoi, pas mixés. Je savais pas que c'était la même chose. Ok. Donc il y a plusieurs versions, en fait. Enfin, il y a la version crue et la version cuite, c'est ça? Oh là là là. Mais tu sais, Mama, tu pourrais juste... Elle est pas smart, Mama, parce que t'achètes un filet d'oignons, tu coupes tout, et après tu mets tout au congèle, et comme ça tu prends au compte-goutte tes oignons déjà coupés. Mama, sois smart. À chaque recette, si tu nous fais chier avec les oignons, ça va être long. Hein. Oh, je suis en train de penser à un truc, s'il vous plaît. Mon dieu, il y a une fois, j'étais malade. Et Dodo, il avait voulu me faire à manger. Ajoute les ingrédients indiqués à l'écran. Okay. Et voilà, il a voulu me faire à manger. Et il sait que j'aime bien manger du concombre. Et j'aime bien la courgette aussi. Et du coup, il a fait cuire du concombre. À la poêle. Parce qu'il croyait, enfin, je sais plus si c'est parce qu'il savait que c'était du concombre, mais il pensait que ça se mangeait aussi cuit. Ou alors s'il avait confondu avec une courgette, mais il m'a fait cuire le concombre à la poêle, genre bien cramé. Le truc était immangeable. Mais je sais pas s'il y a vraiment, par contre, si ça existe, des recettes avec du concombre cuit. Parce que moi j'ai toujours mangé du concombre toute ma vie cru, mais cuit je sais pas du tout. Il me semble qu'il y ait rouleau de printemps et rouleau d'été, non? Bah écoute, si on est sur les 4 saisons, pourquoi pas?
Et l'oignon, n'importe quoi l'oignon. Le rouleau d'hiver, c'est version glace. On le met au congélateur. Pauvre concombre, ouais. Non, franchement, c'était vraiment pas mangeable. Hein. Est-ce que ta coloration a déteint sur ton siège ou ton casque? Pour l'instant, pas du tout. Mais écoute, je touche du bois. Pétri en suivant la ligne jusqu'à ce que le compteur soit plein. Let's go. Ah, mais ça, à chaque fois, j'ai pas le temps de finir. Je pense que ça va être la dernière recette sur le Cooking Mama 1. Après, on va aller sur le 2, voir s'il y a d'autres trucs différents. Mais je crois qu'à chaque opus, il y avait des trucs en plus, non? Moi, dans mes souvenirs, tu pouvais custom Mama. Oula. Tu pouvais custom Mama, tu pouvais changer ton tablier, tu pouvais changer le fond du jeu et tout, dans mes souvenirs. Prépare une boule avec les ingrédients pour plier les choux mailles. Non, mais pas trop. Ah oui, c'est vrai que je sais toujours pas ce que je fais, moi. Ah, mais du coup, c'est pas du tout un dessert. C'est quoi? Alors là, franchement, la viande, je sais pas comment je la dose, mais je la dose. Hein. Enfin, la farce, pardon. Alors, j'aime bien parce qu'il y a vraiment un petit pois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans le 2, la custom? Ok. Ok, ok. Ça existe, le concombre cuit? Apparemment, tu peux faire cuire le concombre avec de la crème fraîche. Ça existe cuit, mais pas cramé. Mais je jure, je savais pas. Je ne savais pas. J'ai toujours mangé que du concombre cru. Putain, je savais pas du tout. Quoi? On fait quoi? Ah, ok. Mais comment c'est... Ah, ok. On met en route la cuisson et maman, elle se démerde. Tant mieux. Du coup, d'accord. Moi, je pensais que c'était des petits gâteaux, en fait. Mais non! Je pensais que c'était des petits gâteaux. Il n'y a pas de dessert, en fait, je suis en train de me dire. Le seul truc sucré, c'était l'œuf. Œuf au plat sucré. C'est tout, en fait. Il n'y a pas de dessert. Bon. On va se mettre en pause. Tu peux le manger chaud dans les bains de nuit, le concombre, et c'est excellent. Ok, d'accord. Je savais pas du tout. J'ai toujours mangé froid cru. Je viens de citer que le chou mail n'est pas un dessert, en fait. Bah non. Bon, écoutez. Petite pause. Je vais aller ranger la marvinette, là. Petite pause pipi boisson, et puis après, on se retrouve pour Cooking Mama 2. Allez, à tout de suite. Allez, re le sang. On est parti, donc, sur Cooking Mama 2. Et alors, c'est vrai que j'ai pas fait attention sur l'autre. Mais là, 2006-2007 quand même. Ça fait mal au cul. Le jeu va avoir 20 ans bientôt. Ça fait peur. Et donc là, c'est avec ses enfants, je pense. Je crois que la brune, c'est sa fille, ouais. Bon, on va voir. Alors, cuisine avec maman, cuisinant, compétition culinaire, changer le style. Ah, c'est là qu'on peut custom. Album option. Par contre, l'écriture, elle est vachement moins bien lisible que tout à l'heure. Pizza, beurre de cacahuète, carpaccio de dorade, soupe de maïs, steak américain, tarte aux pommes, riz à l'anguille, riz frit au calamar. Ah bah, là ils ont mis calamar, ils ont pas mis calamar. Bon, en espérant que maman a desserré le tablier dans le 2 et qu'elle a aiguisé les couteaux. Hein. Gâteau de maman. Ah, oh, il est trop mignon celui-là, c'est avec sa tête. Je pense qu'on va faire ça en premier, parce qu'on n'a pas fait de dessert encore. Panna cotta, gaufre, hot dog pimenté, pas mal aussi. Ok, bon, on va faire le petit gâteau, il a l'air trop mignon, franchement. Il a l'air trop mignon le gâteau. Il donne trop envie. Alors, passe la poudre au tamis, tapote sans arrêt le tamis avec le stylet jusqu'à ce que la jauge soit pleine, ok. Ah mais je secoue un peu trop, il y a la moitié qui va à côté. Je mets la moitié à côté, moi. Oh non, merde! Ah, don't worry, mama will fix this. Elle parlait pas dans l'autre.
En fait, j'ai secoué le truc trop vite. Bon, c'est pas grave. Sépare les deux moitiés de la coquille verte, le jaune, de l'une à l'autre. Retire tout le blanc. Okay. Ah, mais ça sert à rien ce qu'on fait là. Il y a toujours du blanc. Mais ça sert à rien ce qu'on fait. Mais quoi? Mais c'est pas logique. Mais pourquoi je devais juste... Il y a un truc que j'ai pas dû saisir. Parce que là ça sert à rien. Ça commence très bien. Bon, le gâteau va être excellent. Ajoute les ingrédients un à un et mélange. Bon, ça devrait aller. Baguette ou fouet? Bah pour mélanger, je sais pas, on va prendre un fouet. Ah, je pense que ça a pas d'incidence, c'est juste au choix. Beurre. Ok. Œuf. Sel. Farine blanche. Mais écoutez, maman a sauvé la pâte. Oh, bonus! Ah oui, on a dead. Pétris la pâte. Suis les flèches sur l'écran et pétris jusqu'à remplir la jauge. Bon. Faut pas trop rapprocher les deux coquilles pour que le blanc puisse... Ah ok, d'accord. D'accord, en fait, moi je les collais les coquilles, c'est pour ça. Ah, faire les cercles là avec la souris, c'est mon cauchemar. Ah non, ça va. Je dead. Allez. Aplatis la pâte de haut en bas et de gauche à droite pour obtenir la bonne taille. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Petit rouleau, grand rouleau. On va prendre le grand, non? On va aller plus vite, non? C'est pas un rouleau, c'est un gourdin, là. Pourquoi il a volé? Il a volé. Mais on est mal barré là, oh là là. C'est pire que tout à l'heure. Touche la pâte pour en faire des petites formes bien nettes. Ah ouais, mais j'ai mal calculé mon coup là. Mais il y aura pas assez là. Ah ouais, mais là on est mort là. Mais ah ouais, mais là ça va pas là. Ok. Ok, ouais, ça va. Mais il fallait remettre la pâte. Hein. Glisse ton stylet suivant la flèche pour étaler le jaune d'œuf avec le pinceau. Ok. Ah, mais du coup, c'est vraiment des gâteaux simples, y'a rien dedans. C'est juste des petites brioches, je sais pas. Des sablés, je sais pas. Il n'y a pas de goût en fait. Cuit au four, règle la chaleur désirée et touche arrêtée au moment pour finir la cuisson. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Putain, elle est colère! Wow, mais elle est colère! Elle va me démarrer! Mon dieu, sans sas! Ouais? Calcul de bonus! Non, mais c'est bien. C'est quoi? Dango à la sauce douce. Non. Il y avait quoi sur la première page qui était cool? Ah, tarte aux pommes! Non, mais venez, on fait que des trucs sucrés maintenant. C'est une tarte aux pommes? Pourquoi c'est une pomme de terre sur la miniature là? Je comprends pas. Ah ok, non, c'est bien des pommes. Je suis en train de me dire que c'est une tarte aux pommes de terre, j'ai peut-être juste pas compris.
Je suis trop nulle avec l'économe. C'est une dinguerie. Donne un couteau, maman, ça ira plus vite. Enfin non, pardon. Donne pas de couteau, c'est vrai qu'on sait comment sont tes couteaux. Oh, ça va, il nous reste real time en fait. Ok, j'ai bouffé que la moitié du temps, ça va. Ça va, ça va. Allez. Le perfect sur la tarte aux pommes. On y croit. L'ego de la meuf quand même pour faire des gâteaux, c'est un effigie, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mon dieu. Ok, coupe les petites pommes. C'est tout? Ah ok. C'est... Ah non mais là on a une pomme de prête. Hein. C'est tout. C'est une tarte aux pommes avec un quartier de pommes. Remue jusqu'à ce que la jauge devienne verte tout en gardant un œil sur la température. Ah elle fait mijoter les pommes avant? Ok. Si je mets à feu doux, ça fait quoi? Non, ça cuit pas assez. Si je mets à feu vif. J'ai de la cuisson. Mets dans le moule, mets la croûte à tarte dans le moule. Ok. Ah, ok, d'accord. Je me demandais ce qu'il fallait faire. D'accord. Bonus! On va y arriver. Elle fait de la compote, je pense. Ah, ok. Possible. Touche avec la fourchette pour faire les trous dans la pâte à tarte. Ça va. Ça, vous voyez, c'est de notre niveau. Allez, on va vraiment avoir le gold sur tarte aux pommes. La classe. Étale bien la confiture de pommes sur toute la surface. N'oublie aucun endroit. Ah, faut faire les rebords et tout. Okay. Oui. Mais le chrono, il est vachement plus gentil sur celui-ci que l'autre. Hein. Ainsi, ces ingrédients suivent les lignes. On redécoupe des pommes? Non. Croûte. Quoi? Ah, c'est une tarte aux pommes en mode ok, fermé par-dessus. Ok, comme les Américains. Ok, d'accord. C'est pas une tarte aux pommes ouverte. Ok. Écrase la croûte de la tarte avec une fourchette. Yes. Oh, elle est belle. Elle est belle. Par contre, il y a 50 000 étapes. Avec les deux moitiés de la coquille, verse le jaune. Oh non! Donc il faut pas que je rapproche trop les deux. Parce que sinon, enfin pour l'instant, depuis le début de cette tarte aux pommes, je n'ai que des golds. Ah ok, ouais, c'est ça, ok. Merci! À chaque fois j'entends des bruits, en plus je crois que c'est Negan qui se balade, mais je crois que c'est Dodo. Mélange les ingrédients jusqu'à remplir la jauge, je ne mets pas le désordre. On va prendre les baguettes, allez. Tu sais quoi? On change un peu. Faut pas mélanger trop vite parce que sinon ça va voler quoi. Et...
T'en as toujours pas fini. Étale bien l'œuf sur toute la surface, n'oublie aucun endroit. Je suis trop investie là. Je veux trop une recette parfaite. S'il vous plaît. Ok, il nous reste dernière étape, la cuisson. Tout à l'heure, je n'ai rien compris à la cuisson, donc je suis un peu dans la merde. Règle sur la chaleur désirée et touche arrêtée au moment où finir la cuisson. Mais comment je sais la chaleur désirée, elle me le dit, c'est quoi? Ah, c'est comme ça, ok. C'est là qu'il faut mettre. Non! Mais j'ai toujours pas compris, en fait. J'ai toujours pas compris. Je suis dégoûtée. Putain. Elle me dit excellent, mais c'est une médaille d'argent. Maman, tu fais chier. Ah, des donuts. Le bonus, j'ai dead. J'ai gagné un cadeau. Touche une boîte. La rouge. Putain. Alors là, je suis dégoûtée là. Alors déjà de 1, je donne tout, je n'ai pas la recette goldée, et de 2, j'ai un cadeau, il n'y a pas de cadeau. Ah, elle est super sympa, hein. Tiens, un cadeau, explosion, non mais là, l'arnaque quoi, franchement l'arnaque, je suis dégoûtée. Wenigan, toi aussi t'es dégoûtée, ah non mais là, putain on s'est fait voler quoi. Réal anguille, riffre calamar, ça je reste, j'avais regardé je crois. On va faire les donuts. Ah, bagel, c'est pas un donut. Ouais, bon. On va faire le bagel. Retiens le numéro et ajoute les ingrédients dans le bon ordre. Ok. Ok, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Me donne pas des points bonus, maman, c'est pour me voler tes cadeaux. Ah franchement je me fais... En gros pour la cuisson tu mets la température au milieu et quand la jauge en bas sera sur le vert tu vas devoir appuyer sur le bouton arrêter. Ok, mais c'est d'office la température au milieu, je comprends pas. Pétris la pâte à pain de haut en bas. Soulève-la et fais-la retomber. Ah c'est vrai que le sifflet ça doit être 10 fois plus simple. Mais elle va voler là. Oh, je suis trop lent, je crois. Ok. Ah ok, je suis pas obligée de lâcher la souris. Ah bah maman, on va te fumer là. Tu vois la recette là. Tu vois maman là. Alors. Une fois la pâte à la bonne taille, teste-la en touche, en la touchant. Hein? Touche à cette taille. Ah, ok. C'était pas la... Ouais, mais non, c'est bon. C'est pas drôle, toi. Suis les flèches et plie 3 fois la pâte. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas compris. Ah si, ok, comme ça un bagel, on met en forme de bagel et on referme les extrémités, c'est ça? Pour qu'il y ait un trou au milieu, c'est ça? Je suis pas sûre d'avoir compris. C'est pas grave. Suis la flèche et roule la pâte en boule, touche dessus quand tu es prêt. Ah bah non, du coup si on la roule en boule, ça sert à rien ce qu'on a fait avant du coup. Madame. Ah si, ah il est là le bagel.
Je comprenais pas qu'il fallait faire un cercle entier. J'arrive pas. Mais c'est super dur. Sur l'ébullition de la casserole, si l'eau commence à déborder, souffle pour la refroidir. En fait, on fait des bagels nature. Putain, je pensais qu'on allait faire... Je sais pas. Petite garniture, un petit truc, je sais pas. Si je mets à fond, ça fait quoi? J'ai pas de micro, ma puce. Voilà. Bon. Bon. On va voir la cuisson. On va voir si Marmotte a raison. On va mettre en comme ça. Ah merde, ils ont cramé là. C'est bon? Ah ouais, ok, j'ai compris. Ah, d'accord, ok. En fait, faut surveiller la jauge à gauche. J'aurais dû stopper dans le verre. J'ai compris. Oh, le gâteau aux fraises, on va le faire. Gâteau. Ah, il a l'air trop bon. Casse les œufs sur le bol et verse le contenu dans le bol sans rien gâcher. Ok. Ah non! Je tape trop fort en fait. Ah, les deux autres, je les ai tapés trop fort. Retiens le numéro, ajoute les ingrédients dans le bon ordre, c'est parti! Farine blanche. C'est ça la farine? Ah, j'avais pas vu le numéro, je suis con. 2, 3, 4. Mais c'est pas grave, de toute façon tu les mélanges jusqu'à après les ingrédients, c'est pas grave, mets-toi en même temps. Je me suis mal exprimée, c'est pas dans le verre, dans le rectangle parlant de la fin de la jauge. Ok, d'accord. Parce que tout à l'heure, le rectangle qu'il y avait dans la jauge, je pensais que c'était pour me dire à quel niveau de cuisson je devais mettre, tu vois. Donc j'avais pas compris. Mélange les ingrédients jusqu'à remplir la jauge, je n'avais pas de désordre. Bon. On va reprendre le fouet, hein. Après, tout à l'heure avec les baguettes, je crois que j'avais réussi. Ah merde, ça a volé, putain. Oh là 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 là, elle va me tuer. Incline le bol et verse le liquide jusqu'à atteindre la ligne. Ça coule trop vite. Pourquoi on fait 5 gâteaux comme ça? Oh. Là, c'est Cooking Mama Traiteur, en fait. Oh là, on va faire... Hey. Ah, mais non, je viens de comprendre, je suis con. C'est pour faire un gâteau à étage. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle en fait plein, mais oui, je viens de tilter. Préchauffe le four, une fois chauffé, règle la chaleur désirée, arrête quand c'est cuit. Bon, je vais y arriver. Règle sur moyen. Réglage. Je fais quoi comme réglage? Ils sont bons là. Ils sont bons. Merci Marmotte. C'était Marmotte, hein, je crois. Mama Cooking pour tout le quartier, je te jure. Coupe les ingrédients en suivant les lignes. Ah, c'est des petites fraises. Ah, faut juste faire ça. Bah. Attends. On a fait 45 gâteaux, mais on a fait 3 fraises. Il y a peut-être un mauvais dosage. Hein. Bouge le couteau à palette. Oula. Bouge le couteau à palette de haut en bas pour recouvrir de crème. Ok.
J'espère qu'après on peut décorer le gâteau nous-mêmes, ce serait trop cool. Faire la petite déco avec les fraises et tout, j'ai trop la vision. Non mais du coup, il n'y avait pas d'étage. Il n'y avait pas d'étage, c'était bien un seul gâteau. Donc on a bien fait 40 gâteaux et puis 2-3 fraises, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut mettre des bougies? C'est quoi ça? Bon anniversaire! Non. Pas envie. Meringue, fraise, bon anniversaire, ça c'est quoi? Non, alors vu comment t'es pas gentil avec nous, t'auras toute ta place sur notre gâteau. Petite maison, ok. C'est Kiki. Et ça, c'est des bougies. Ok. Alors, on va mettre des meringues tout autour. Normalement, les fraises, c'est entre les meringues ou c'est sur les meringues? Non, c'est entre, hein. Faut intercaler, je crois. Comme ça. Ah, mais on peut sortir du gâteau, carrément, ok. Bref, c'est bien mise, la fraise, tant... Non, mets-toi au-dessus! Voilà. Tac. La fraise. Tac, comme ça. Il y en a une de trop, là. Allez, là. Ouais, ça range. Non, on range ça, voilà. Là, on est pas bien, là. C'est pas bien alterné. Serré en bas. Excusez-moi, je m'applique, hein, parce que je sais que déjà elle va m'engueuler et que je vais avoir un score de merde. Autant que le gâteau soit joli. Les fraises, c'est clairement des Haribo, je te jure. Bah, elle avait pas assez de vraies fraises, hein, avec trois. Elle a meublé avec les bonbons. J'avoue, je vois de la chantilly, moi. Ah bon? Pour moi, c'était des petites meringues blanches. Mais j'avoue qu'on n'en a pas préparé. Donc, ouais, c'est peut-être de la chantilly. Je ne sais pas. Bon, on va mettre comme ça. Puis, les petites bougies au milieu. Pourquoi elle s'est éteinte? Non, elle s'éteint trop vite, là. Ah, on peut en mettre que deux? Bon, bah, qui fête ses 2 ans aujourd'hui? Fallait pas être plus âgé, tant pis, hein. Une petite photo. Non, parce que des fois ça fait bugger l'émulateur. On va pas le faire. J'ai des mauvais souvenirs de la maison du style. Bon. Ah, oh, un petit cocktail. Sympa. J'ai toujours plus de cadeaux. Ah, jus de fruits. Faisons un petit jus de fruits. Ah, y a que 2 étapes. Touche ton fruit et après on mixe. Bah alors là on peut faire une recette goldée, s'il n'y a que 2 étapes. Prends pas trop de risques. Attends, moi je veux ça. Non, j'aime pas l'ananas. Tu peux pas le virer, putain, fraise, ouais. Non, je veux... Ah putain, non, il va pas être bon. J'ai pris cerise, j'aime bien. Ananas et j'ai pris orange ou citron. Moi je voulais prendre fraise et puis ouais, tant pis, hein. Touche le bouton et démarre le mixeur, c'est ça? Non. Ah, c'est de l'orange. C'est même pas du citron. Oh, ça va pas être folaille, hein. Ah, ah! Ok, faut pas... Ok. Mais il est nul ton mixeur, maman, là. Franchement, le couvercle, il pue la merde, hein. Oh là là, il est nul ton truc, hein. Faut en acheter un autre, hein. On va se cotiser, donc déjà, les couteaux et le mixeur aussi, hein. Il est pas très fiable, hein. Recette goldée, ça y est, c'est sûr. Ce sera la seule recette goldée qu'on aura de tout le stream, parce qu'il n'y avait que 2 étapes. Faites comme si j'avais tout donné, ok? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, merci. Par contre, la couleur est pas très représentative, pardon, de ce que j'ai choisi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Nouvelle recette, ok. Est-ce que j'ai un cadeau de maman? Non, pas de cadeau par contre. C'est quoi la recette? Crevettes en mayonnaise. Ah. Je vous l'ai dit, j'en rêve depuis tout à l'heure. Touche le couteau pour écraser l'ail et tapote-le pour couper l'ail en petits morceaux. Allez. Bouge la tête de haut en bas, tire sur les pattes, c'est comme tout à l'heure. Mmh. Bah ils sont pas fait chier. Ils ont repris exactement la même crevette de l'opus précédent. Ah non, pardon, excusez-moi, on enlève la queue cette fois-ci. Excusez-moi. Bon bah très complicado hein. Alors, roule la crevette en allant et venant pour la saupoudrer de farine. C'est des crevettes panées qu'on fait en fait. Toi, moi je pensais que c'était des crevettes crues comme ça, juste avec de la mayo. Les ingrédients apparaissant sur l'écran, super, mais dans le bol. Ah, c'est la mayonnaise. Ne pas ajouter quoi? Quoi? Ah, c'est ça? Lait? Non, il faut pas mettre ça. Il faut pas mettre ça. Il faut mettre ça. Il faut mettre ça. Il faut mettre ça. Je lis même pas ce qu'on met, mais tant pis. Hein. Sur rabat. C'est quoi? C'est pour faire une mayo épicée? C'est quoi? Mélange les ingrédients jusqu'à remplir la jauge, je ne mets pas le désordre. Les baguettes, vous avez plus porté chance. Du lait concentré dans la mayo? On a mis ça? Je ne les ai pas les noms parce que je ne voulais pas fail, mais... Ah oui, bon bah écoutez. Pourquoi pas? Secoue le wok de haut en bas pour faire sauter la nourriture sans la voler. Non, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler. C'est bon. Ok, c'est ça, crevette en mayonnaise. Ok, bon, je ne sais pas. Elle est suspecte, la mayo de maman. Ouais, là... Visuellement, je vous avoue que ça donne pas vraiment envie, là. Mais bon. Si tu veux, maman. On les a déjà, les bagels. Ou alors, c'est les donuts. Bon. Est-ce qu'on va se refaire niquer au niveau du cadeau? J'avais pris la boîte rouge, c'était pas bon. Je vais prendre la jaune. C'est moche. J'en fais quoi du poisson? J'ai rien débloqué. C'est quoi, c'est dans l'accessoire? Non? C'est quoi? C'est pas un ustensile. J'ai rien débloqué. Ah si, on peut changer, ok. Avec le four en vert et rose. On va refaire la cuisine. La poêle, on va la faire en vert. On va tout faire vert et rose. À la marmite, pareil. Le couteau, un couteau qui coupe, s'il te plaît. Bah, verre aussi. On va tout mettre en verre. C'est quoi? C'est un frigo? Ah non, c'est la planche à découper. Rose.
le robot, je sais pas ce que c'est, oui, je sais pas. Et l'économe, bah vert. Bon. Mais du coup, cuisine, c'est quoi? Ouais. Ah, ils sont pas belles les autres couleurs. Non, on va laisser comme ça. C'est quoi ça? C'est la haute. Vas-y, on va mettre en rouge. Et l'évier en rose. Il y a beaucoup de custom quand même. Écran supérieur, c'est quoi? Ah, ok, la fenêtre. Bah, j'ai rien débloqué. Ça, c'est le badge. Ah, l'horloge. On va la laisser en rose, l'horloge. Ça, c'est la jauge. Oh! Trop kiki! Je vais mettre en vert, comme ça, c'est raccord avec la fenêtre. C'est grave mignon. Il y a bien des trucs à changer. Mais du coup, je ne sais toujours pas à quoi me sert. À quoi me sert le... le truc, le poisson? Album? Non. Non, c'est pas. Merci, l'hiver addict. Merci beaucoup pour le sub. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait où est-ce que je peux trouver mon poisson? Parce que j'ai gagné un poisson. C'est bien quelque part. C'est peut-être une recette en fait. Bah non. Bah alors là je me suis fait avoir. Premier cadeau vide, deuxième cadeau, un poisson mais inexistant. Il est retourné dans la rivière je pense. Je me suis fait voler deux fois. Deux fois. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire? Le hot dog en vrai il donne envie. Hot dog pimenté. Hop, je redescends un petit peu. Coupe les ingrédients suivants, les lignes, let's go. Le ping. Ça semble pas trop du pain. Hein. Tu retournais l'image, c'était plus trop du pain. Tourne la poignée dans la direction de la flèche. Pour la viande hachée. Ah! Il est vert parce qu'on a changé la couleur, ok. Ah! Et pourquoi t'as acheté du bœuf directement? Tu pouvais pas acheter de la viande hachée tout de suite? Oh! Et mince, en suivant les lignes, puis tapote le couteau pour couper un petit dé. Touche les icônes pour ajouter les ingrédients dans la casserole. C'est pas parlé. Dans la casserole et remuer. Le bœuf ou les oignons en premier? Les oignons, je pense. Non? Après, peut-être le bœuf, elle le veut bien cuit, je sais pas. Ah merde, les oignons sont cuits. Tu veux pas le manger saignant, le bœuf, là? S'il te plaît. Il cuit. Ah, putain. Mais si elle mange sa viande cramée, ça va pas. Bouge les ingrédients en suivant les instructions apparaissant sur l'écran supérieur. Beaucoup d'étapes pour un hot dog, non? Quoi?
attrape les ingrédients qui tombent d'en haut. Non mais attends, maman là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non mais attends, maman. Mais ça va pas? Non mais... L'autre, elle nous jette les oignons, le fromage, tout comme ça. Tu veux pas nous donner dans la main? Non mais elle a vrillé, hein. Mais à quel moment? À quel moment? Ah oui, du coup, la saucisse, elle est, ouais, pas bien... Putain, le tyran, quoi. Alors, je suis allée me renseigner. Apparemment, ce que tu gagnes en cadeau sert à décorer les photos des plaques enregistrées, je crois. D'accord, ok. Donc, en fait, j'ai un poisson moche juste pour mettre sur des photos. Je suis ravie, quoi. Je vais jamais m'en servir. Wouah. C'est quoi ça, dango la sauce douce? Non, ça me donne pas envie. Ah, kimchi. Allez, pour nous rappeler la Corée. D'air. Coupe les ingrédients sur les lignes. Waouh. La difficulté. Merci beaucoup, Bakuru, pour le sub. Merci beaucoup. Merci, merci. Thank you very much. Utilise des stylets pour couvrir toute la feuille. On te prépare à manger pour te remercier du sub. J'espère que tu n'es pas trop difficile. En fait, c'est quoi qu'on met? Tarsine les feuilles, c'est du... C'est quoi? Du sel? C'est quoi? J'ai même pas lu. Ah, c'est du riz, non? Non, c'est pas du riz, donc c'est du kimchi, non? Qu'est-ce qu'on a mis? Tourne les ingrédients afin qu'ils obtiennent... qu'ils tiennent bien dans le tonneau. Ah ouais, d'accord, c'est un Tetris en fait. Ouais, là, ok. Non. Ah mais attends, maman, là. Dose, hein? Attends. Non. Non, là, c'est celui-là. Non mais attends. Celui-là. Et c'est celui-là. Là, je me dis pas que c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est pas celui-là, putain. Ah, celui du dessus. Ok, lui. Comme ça. Lui. C'est lui. Et lui. Il... Non, dans l'autre sens. Là, c'est lui. Oh là là! Elle est compliquée, hein? Oh là 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 là! C'était bien du sel? Merci. Utilise ce stylet pour émincer le radis. Suis la flèche pour peler et couper en tranches. Radis blanc. Hein? Ah, ok. Ah, d'accord, ok. C'était pour enlever la peau. C'est bon, c'est coupé. Tapote rapidement le couteau pour émincer de la nourriture. La nourriture en petit dé. Gingembre. Tapote rapidement le couteau pour couper en petit dé. Il y a beaucoup de découpage dans la vache. Les ingrédients suivant les lignes. Poireau au poulet? What? Poireau au poulet? Comment ça, poireau au poulet? Ah, dans du bouillon de poulet, non? Prends l'ingrédient qui s'affiche sur l'écran supérieur au milieu dans le bol. Let's go. Ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est ça. Calamar mariné. Ça. Carotte. On aurait dit des knacks. Poireau rouge et ça. Poireau au poulet.
quoi. Ouais, mais elle est interminable la recette là. On sert tous les points quand tu, que tu vois pour pétrir et assainir la nourriture. Oh merde. J'ai compris, mais laisse-moi faire. J'ai compris, mais lâchez-moi. Le jeu, il m'agresse. J'ai compris. J'ai compris qu'il fallait enrouler, enfin entourer le point, j'ai compris. Maman, j'avais compris. Tu vas te détendre. J'ai ce stylet pour couvrir toute la feuille. Ok, donc là on met la sauce... le truc dans lequel ça va mariner quoi. Pour donner le goût. D'avoir fini hein. Tous les ingrédients afin qu'ils tiennent bien dans le tonneau. Oh non. Ah. Oula. C'est pas celui que je pensais. Merde. Merde. Ah non, je viens de voir. C'est lui. Oh là. Ça c'est en dessous. Non. Ah c'est celui-là. Je pensais que c'était celui-là moi. Non, c'est en dessous. Voilà, celui-là. Celui-là. Celui-là, c'est celui-là. On dirait des escalopes de poulet. On dirait pas du tout du chou. Ah merde, c'est dans là. Eh, faut que j'aille chez l'ophtalmo. J'ai eu du mal de fou. Hein. Regarde la balance et mets des poids jusqu'à atteindre le point indiqué. Ah ok. Encore. Coupe les ingrédients suivant les lignes. Mais c'est pas censé mariner pendant des mois et des mois, ça, en plus. Il est trop frais, son truc, ça veut dire. Et bah, c'était bien compliqué, la vache. Franchement... J'ai fait 100%. Je me suis même pas rendu compte que j'avais gold à chaque fois, j'ai même pas tilté. Non. Pourtant, il y en avait des étapes. Hein. Bah, trop bien. Je vais essayer quand même l'album pour voir ça fait quoi. Montrer cet album aux amis. Non. Je peux pas custom la photo? Je ne trouve pas mon poisson. On va prendre le bleu, hein. On change à chaque fois. D'accord. Peut-être que je peux custom la photo qui est dans l'album. Ça doit être ça. Étiquette. Ah voilà. Qu'est-ce que c'est? Non mais...
Ah, c'est ça qu'on avait gagné, mon dieu. C'est horrible. C'est horrible. Oh là 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 là. Et du coup, on a gagné l'emoji jaune, quoi. Non, mais franchement... Ça fait plaisir, hein. Waouh. Je pensais qu'on allait gagner des vêtements pour Mama. Compétition culinaire, c'est quoi? Défi solitaire, c'est peut-être ça pour gagner des vêtements, des cadeaux de qualité. Ah bah là, franchement, c'est terrible. Hein. Choisir un défi de faire un burger qui casse les œufs sur la peau, crie au charbon. Faire un burger, c'est quoi? Je dois en faire le plus possible pendant le temps imparti, c'est ça? Je voudrais bien avoir de quoi custom Mama, moi. Changer son petit bandana et son petit tablier, comme ça je mettrai un comme moi. C'est bien, je fais un ping-pong de viande hachée, c'est intéressant. Ce que ça dit de moi. C'est bien? Mais j'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Écoutez, il est 21h40. L'heure, elle tourne, donc on va se mettre sur le Cooking Mama 3 pour voir, mais j'ai rien gagné là-dedans, je suis un peu deg. Hein. À vie de Mama, j'ai rien. Je pouvais changer la couleur, ok. J'ai pas débloqué le motif, mais je pouvais changer la couleur de base, quoi. Bon, c'est pas grand chose. Ok. Écoutez, je vous mets en discussion. 2 secondes. Changer le jeu que j'ai de manière totalement légale. En toute discrétion. Cooking Mama 3. Bah c'est bon. Putain, ça a été super vite. Ok, ok, bah tranquille. We're back. C'est Mimi. Ah, lui, je l'avais. Le 2, je crois pas. Le 1, oui, mais je crois que le 3, je l'avais. Mais le 2, non. Parce que le 2, il me disait rien. 2009, celui-ci. Fais ton choix. Est-ce qu'on peut déjà custom? Avant toute chose. Changer le bandana. Ah non. Non mais je descends en rose parce que le mien est rose. Le tablier, on peut te le mettre en blanc ou pas? Non, on peut pas. Bon bah je vais me faire foutre. Oh, c'est pas grave maman, c'est pas grave. C'est pas grave. Décorer. On va tout mettre en rose. Cuisine rose, ça nous fera mieux cuisiner et on aura plus de points. Je pense. Je pense. Ça cuisine des plats de haute gastronomie, personne n'est mort de faim. Alors s'il te plaît Terrine, j'ai fait une recette très longue de kimchi et j'ai eu 100%. Est-ce que tu étais là pour le voir ou pas? Ou tu es partie au moment là? Bon, le couteau bleu était bien, elle est en bleu. Allez. Il y a plus de trucs à custom là-dedans. Il y avait pas autant de trucs tout à l'heure dans l'autre. Hein? Ah d'accord, c'est un batteur électrique. Je croyais que c'était un fer à repasser. C'est quoi ça? Je sais pas, ça représente quoi. Non, c'est bon. Regardez la trop belle cuisine qu'on va avoir.
Ça c'est quoi? Ah, c'est le fond. Oh! C'est mon ventre qui gargouille, désolé. On va mettre ça. C'est trop kiki. Oh, l'horloge. On va mettre la petite tarte. Enfin, non, c'est un biscuit, pardon. Et la jauge, on va la mettre en rouge, comme ça, ça a sorti au biscuit. C'est bon, j'ai tout custom, là. Franchement, ça fait mal aux oreilles. C'est quoi, ça? Ça, j'ai fait, ça, c'est quoi? Note de journal, non. Compétition culinaire, ok. Achetons, mais j'ai pas de sous. Jouons. Cuisinons. Cuisine avec mama. Option, ok. Let's go, cuisine avec mama. C'est parti. C'est parti. Guimauve. Oh, bonbon à la pomme. Beignet. Pickle. Crevette frites. Spaghetti aux palourdes. Boom. Kuchen. Kuchen. Barbecue coréen. On n'a qu'une page? Bon, on va faire la guimauve. Elle est cute. Déplace le séparateur d'œuf de gauche à droite pour faire tomber le blanc dans le bol. Bah, ça veut dire que depuis Cooking Mama 2, elle a investi quand même pour séparer le blanc des jaunes. Elle a investi. Espérons qu'elle a investi dans des couteaux de meilleure qualité aussi. Hein. Oui, je me rappelle du 3, il y avait la traduction. Elle parlait en français. Ah, mon dieu. Mélange des ingrédients avec un point circulaire. Waouh, mieux que mama. Non, je vais trop vite. Les gens qui arrivent à casser les œufs d'une seule main. Comment ça, Terrine? Ah ouais! Non, je viens de comprendre. Pour séparer. J'étais en mode, mais quand tu te casses avec une main. Oui, ok, quand il est fissuré après pour... Ok. Non, j'avoue que j'arrive pas non plus à une seule main. Déplace le levier pour ajuster la chaleur en restant dans la zone indiquée par le thermomètre. Bonbon sirupeux. Non, faut qu'on augmente la chaleur. Non, ça chauffe trop, ça chauffe trop. Faut qu'on baisse. Problème, maman s'en occupe. C'était trop mignon. Touche le bouton du mixeur puis mélange les ingrédients en tournant, il y a deux boutons. Gélatine fondue, sirop de sucre. Mais ça tourne pas très... Ça tourne pas beaucoup là. Oh. J'ai pas la technique, je pense. Et là, faut que je mette le bouton rouge. Ah, merde! J'ai tout sali. Complicado, hein. Mais faut tenir le bol, hein, en même temps, le saladier, sinon tu m'étonnes que ça va voler. Waouh, mieux que mama. Mieux que mama, merci. Touche le cœur pour faire une décoration. Regarde bien dans quelle direction ceux-ci sont dirigés. Oui? Quoi?
Ah, ok, d'accord. Faut que je clique sur ceux qui sont dans le bon sens. Mais j'en rate plein, hein. Ah, c'est bon. Mieux que maman. Maintiens le stylet sur la poche à décorer jusqu'à ce que chaque guimauve soit grosse comme le contour. Ok. Ah non! On n'a pas... On met seulement les guimauves. Tout à l'heure, c'était juste l'emporte-pièce, enfin le... La forme dans la farine. Oh, et c'est bon, hein. Continue comme ça. Continue comme ça. Touche les guimauves pour les poser dans l'assiette. Ah oui, d'accord. Non mais attends. Arrête-toi deux secondes, maman, là. Dose. Non mais... Elle est folle. Faut trop calculer, moi je peux pas... Mama, arrête de bouger! Dites quelque chose à cette dame. Elle est folle, elle est folle. Mais c'est trop dur! T'es dedans là, maman. Je fous de ma gueule. Non mais... Oh, mais maman, franchement, respecte les gens. Apprends à respecter les gens, par contre. Hein. Alors, cette gâteau, nouveau sport des JO. Elle est vraiment là, elle est pas gentille. Hein. Elle pouvait pas rester à l'arrêt, c'était trop compliqué. Déplace la main de gauche à droite pour embrocher les guimauves qui tombent. Mais là, pareil, maman, tu peux pas nous les donner à la main que de nous les balancer comme ça? Maman, s'il te plaît. Oula! Tu vois, elle nous confond avec le chien, elle nous lance les os du chien. Non mais franchement. Elle fait la petite dame gentille et tout, mais elle est très méchante. Aucun respect pour les gens. Lorsque la guimauve est sur la ligne bleue, touche le bouton pour la planter. Ah, ok, ok. Oh, ça va être trop dur. Hein. Non, c'est bon. Ça va super vite. Hein. Ah non, putain. Ça va super vite. Mais ça va trop vite là. Et c'était chaud hein. Wow, mieux que maman. Tourne la guimauve pour la faire griller recto verso. Attention que ça ne brûle pas. Comment je sais que elle a cuit? Comment je sais savoir? Ah ok. Là j'ai peur. On va les retourner sans arrêt dans le doute.
ça aura jamais le temps de cuire, c'est ça? J'ai peur de faire une connerie. Ah ok, d'accord, quand c'est prêt, il faut les... Ok. Ok. Mieux que maman. C'est normal, maman, c'est normal. Résultat. Résultat. Waouh, mieux que maman. Attendez, on s'est fait chier à récupérer les guimauves avec un bâton là. Lancer de guimauve pour qu'elle nous enlève le bâton à la fin. Honteux. Tu as reçu une nouvelle recette, c'est quoi ça? On dirait une plante. Une plante grasse. Guimauve, bon à la pomme. Allez, on a la deuxième page. Mochi. J'aime pas trop moi les mochi. Je vais faire la pomme d'amour. Elle a l'air trop bonne. Ça ressemble à rien. Ah franchement, oui, c'était pas fameux. C'était pas très beau. On tourne la queue pour enlever. Pour l'enlever. Et touche la baguette au moins pour l'embrocher. Pas compris. Ah, pour faire le trou, c'est ça? Oh, ok. Ah! Oh non. C'est super dur, maman, là. Pas de problème. Maman s'en occupe. Ah. Bon. Tourne les pommes dans le sirop pour faire bon à la pomme. Attention à la flamme, ou ça peut brûler. Maman est moins vénère dans celui-là, on dirait. T'es relatif. Quoi? Je dois faire quoi? Ah, faut que je baisse la température. Faut que j'augmente. Ah, ça va cramer là. Faut que je baisse. Faut que j'augmente. En fait, faut tout le temps jouer avec la température, c'est ça? Là, ça va trop chauffer, faut baisser. Là, ça va trop baisser, faut remonter. Ouais, compliqué, hein. Non! Déplace les choses pour que ce qui... Attends. Déplace les choses pour que ce qui est sur la table puisse rentrer dedans. Ah, mets dans le frigidaire. J'avais pas vu la phrase au-dessus, je comprenais pas le sens. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que ça refroidisse, ok. Effectivement, oui. Bah, je sais pas, mais ça là. Ah, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'était compliqué. Waouh! Résultat! Continue comme ça! Ouais, c'est pas fou, hein! 66. C'est quoi? Chou farci! Non, je vais faire un truc sucré, moi! Beignet! Après, je crois que c'est que des trucs salés. Ouais. Allez, baigner. Go. La difficulté varie tellement d'une étape à une autre, c'est fou, carrément. C'est bon, j'ai à manger IRL, je peux survivre à ce live. J'ai le vent qui gargouille de fou. T'as pas de l'abattoir à gauche et droite. À gauche et droite, ok. Pour tamiser, ça serait bon, on souffle pour nettoyer. Je n'ai pas de micro, maman. Maman, on a plein de micros. Maman, on a pas de micro. Oh, ça... Ah. Normalement, il détecte pas le micro. Il est absolument pas configuré dedans. C'est fou de ma gueule.
Utilise le stylet pour mélanger et fait fondre dans le temps imparti. Sel, beurre, sucre. Ah, je viens de comprendre qu'il fallait prendre chaque truc un par un, d'accord, excellent. Ok. Wow. Mieux que maman. Mieux que maman. Pourquoi on a fait fondre du beurre dans l'eau? Pour faire des beignets. Mélange avec les baguettes à la même vitesse que celle de l'exemple. Faire une blanche œuf, ok. Ah! Ah, je comprenais pas, mon dieu! Je suis jamais arrivée! Je vais. Ah! Je suis jamais arrivée! Mama. Pourquoi tu fais une omelette maintenant? Ouais, c'est une très bonne question. Déplace le stylo pour faire différentes formes de donuts comme indiqué. Ah, c'est tout simple. On dirait plus des churros. Non? Regardez le fait que ce soit pas tout lisse, on dirait un churros. Je mangerais trop des churros là. Ah, faire le nœud d'Hello Kitty. Un peu, vibe. Oh, c'est Kiki. C'est Mimi. Il fait quoi là? Ah, le poisson, mon dieu. Sacré beignet. Hein. C'est quoi ça? C'est un os? C'est quoi qu'on fait là? Ah oui, un os, ok. Ah non, mais là, maman dose, hein. Tu sais, souvent, les beignets les plus moches sont les meilleurs. Waouh! J'ai cru qu'on allait faire un portrait au bout d'un moment, là. C'était... Waouh! Lorsque les ingrédients flottent, enlève ceux montrés à gauche et place-les sur le plat. Le nonos, il est là. Bah c'est bon. Ah, les autres nonos, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs, mon dieu. Non mais, le cœur. Là. Poisson, il est là. Il est trop petit ton plat, maman. J'avoue, c'est des churros là. Ben, on dirait de fou, hein. Les beignets de noces, c'est pour Negan, bien sûr, et les beignets saucisses sont pour Dodo. Déplace le stylet pour ajouter du chocolat. N'en ajoute pas aux mauvaises choses. C'est quoi les mauvaises choses? Mais c'est pas du chocolat, ça. Ah, ok, non. D'accord. C'était chocolat blanc, là c'est chocolat basique. Ah non. Mais qu'est-ce que tu me donnes un champignon, couillonne, aussi? Mais attends. Y'a qui bosse ici, hein. On va faire tes conneries à d'autres, hein.
Elle nous a feinté, connasse. Connasse que tu es. Décore le plateau, je te déconne, vous placez les ingrédients où tu veux. Fais ça joliment. Ah, ça j'aime bien, vous voyez. Quand il faut décorer, il n'y a pas de temps. Ah mais ils sont... Ah ouais. Bon. Le gâteau Negan. On va dire que c'est lequel, le saucisson. Je ne sais pas. Bon, mon gâteau à moi. Puis il y a quoi? La fleur, elle est mims, mais il n'y a pas de glaçage dessus, enfin de chocolat. C'est ça le saucisson, en vrai? En fait, c'est moche, on peut pas décorer joliment. C'est juste des beignets, quoi. Il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. Bah écoutez, oui, c'est des beignets quoi. Tu veux les mettre comment? Bon, ça c'est moche, dégage. On va reprendre une fleur, mais ouais, y'a rien à faire. Waouh! Quel plat incroyable! Présentation incroyable. Résultat. Excellent, 85. Mieux que maman. C'est bon. C'est trop moche. C'est quoi ça? Mais c'est quand qu'on a un bonus, bordel? Tempura. Oh, j'aime bien en vrai. On va voir si les crevettes sont toujours les mêmes dans le troisième opus. Ah non. Oh, la crevette a level up, hein. Ah ouais, attention. Elle est devenue un peu fancy. Hein. Ah non, elle est un peu crevette zébrée sauvage. J'ai tellement envie de manger des crevettes. Elle brille, elle a mis son plus bel highlighter, vraiment. Coupe à la taille indiquée pour que ça rentre dans le bol. Oula. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah pardon, faire des tranches, j'avais pas compris. Ah pourquoi ça a volé? Ah. Patate douce. Faut pas couper trop vite. Ah mais... Ah ok, faut que je tape dessus. Mon dieu, j'ai pas compris. Hein. Racine de lotus, par contre, c'est quoi? C'est bon? Continue comme ça. Ouais, moi aussi de l'aubergine qui a volé, mais c'est pas grave. Mélange avec la spatule, touche le point indiqué, puis mélange à la même la vitesse que la spatule. Par contre, on n'était pas censé faire des tempura de crevettes, là? Pourquoi on a fait des légumes? Oh! Oh! C'est trop dur. Oh! Putain, quand j'ai pris le rythme, il a fallu que j'accélère. Non. Oh, on a réussi, putain. Lorsque les ingrédients flottent, enlève ceux montrés à gauche et placés sur le plat. Ok, on a fait aussi farcir des légumes. Ah, c'est trop bien. Je pensais que c'était que les crevettes, en fait. Enfin, farcir n'importe quoi, frire. Y'a quoi qui crame?
Continue comme ça. Ok, moi je pensais que tempura, c'était forcément des crevettes frites quoi, enfin panées frites. Je savais pas que tempura c'était aussi pour les... Mieux que maman. De trucs quoi. Ok. Nouvelle recette, c'est des huîtres. Faut trop qu'on essaye. J'ai pas eu de truc bonus. Ok, je vais me faire foutre. Huîtres. Y'a pas grand chose à faire par contre, normalement. Y'a juste à les découper, enfin les découper. Les ouvrir. Déplace le stylet dans la direction de la flèche pour préparer les huîtres. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là, oh là, oh là, oh là, ça martèle. Hein. Ok. Ah, on enlève carrément l'huître de sa coquille, genre on va pas la manger comme ça? Par contre, ça ressemble pas à une huître. Hein. Ça ressemble pas trop. Hein. Flamme la friture chez soi quand même. Par contre, en plus, ça fait peur, ça crache du brûlant partout. Trace la ligne pour couper. Bah attends, on est censé faire des huîtres là. Ah, citron, ok. Voilà, oui. C'est tout. Ok. Bah là normalement c'est terminé, la préparation elle est finie. On va nous faire mettre le citron sur l'huître peut-être. Touche la glace pour la briser en petits morceaux. Dépêche-toi avant que ta main ne soit gelée. À briser la glace entre moi et maman. Bah, en même temps pourquoi tu tiens dans ta main aussi On est obligé de faire des sculptures de... On fait des sculptures dans des blocs de glace juste pour manger des huîtres. Ça n'a aucun sens. Arrange bien les huîtres et les citrons pour que tout rentre parfaitement. Et les sculptures de glace? Ah d'accord, ouais, elles sont en dessous. Non mais... Comment je... Ah, c'est les citrons là. Les huîtres. Là. Celle-là, elle est en dessous, non? C'est elle. Celle-là, celle du... Ah non, celle du dessous. Non? Ah, c'est elle. C'est la CL. Et la dernière, bah, c'est celle-là. Wow. Très belle huître. Bon, en fait, j'en suis en train de me rendre compte que j'ai perdu juste sur le bloc de glace, là. Wow. À quel moment on a fait des sculptures, je ne comprends pas l'intérêt. Bon. En vrai, les huîtres, j'aime pas trop. J'en mange une pendant les fêtes pour dire que... C'est le goût des fêtes. C'est tout. Sushi de truite. Mmh. On n'a pas de recette trop folle dans celui-là. Celle-ci, elles étaient cool. Guimauve, bonbon à la pomme, c'est un peu stylé. Crevettes frites. On a déjà fait les tempura, c'est un peu pareil. Spaghetti au palourde. Boom couronne, je sais pas c'est quoi. Barbecue coréen, allez. Écoutez. T'as juste fait de la glace. Pilé coco. Ouais mais non mais je comprenais pas pourquoi. Sinon tu prends un marteau ou même quand tu veux acheter des fruits de mer, le poissonnier tu peux demander de la glace, ils en donnent. Je sais pas. Déplace la hachoire pour mettre la viande sur l'assiette. Si la viande tombe, remets-la dans le plat.
Okay, quoi? Ah! Mais faut que je jauge par rapport... Comment je jauge, moi? Comment je jauge où est-ce que je vais? Mais pourquoi tu bouges là-bas? Elle fait exprès de bouger sa main. Je vais arrêter de calculer l'assiette parce que là... Non mais attends là. Oh là là. Il y a la moitié qui est tombée par terre, c'est génial. Très hygiénique, très bonne la viande. Ouais. Un peu dégueulasse, mama. Coupe à la taille indiquée pour que ça rentre dans le bol. Ah mais j'ai déjà raté un truc. Apparemment. Fais griller les ingrédients indiqués puis place-les dans l'assiette. C'est déjà fini. Il n'y avait que 3 étapes, incroyable. JPP, les morceaux s'envolent carrément. En fait, je cuis à la merde. Je sais pas. Enfin, je cuis n'importe quoi. Je coupais vraiment en merde. Je sais pas comment on fait. C'est bon ça? C'est cramé ça? Non? Mais comment je sais? Comment je sais? Ok, j'ai compris. Et il mange trop vite là. Mama. C'est finito. Mieux que Mama. Pourquoi j'ai toujours pas de bonus, bordel? Oh non. Nouilles semaine. Allez, dernière recette. J'ai intérêt à avoir le truc du bonus là? J'ai déjà fait 53 recettes. Touche les baguettes et utilise tes mains pour vérifier les nouilles ne laissent pas trop cuire. Ah mais je peux pas, j'ai pas le micro. Ça fait rien. Ah si, ça marche? Ah non, ça fait rien. Mais je saurai jamais. Je saurai jamais. Je pourrai jamais en fait, ça va surcramer. Bon bah voilà. Déjà c'est mort. Mais je peux pas vérifier maman. Ah. Ah. Mais il y a des moments où j'ai l'impression que ça marche. Alors que c'est impossible parce que le micro n'est pas relié au truc. Mais quand je parle, ça détecte quand même quelque chose. On est d'accord? Il est pas relié. C'est que je comprends pas. Ou c'est moi qui suis folle? Non. Pas de problème. Maman s'en occupe. Bon bah c'est bon. Pends jusqu'à ce que les ingrédients soient dans la passoire, ne laisse rien déborder. On va encore tout faire voler à côté comme tout à l'heure. Non, non, non.
plus mieux que maman. Elles sont peut-être trop cuites, mais il n'y en a pas à côté. Lave les nouilles. Ajoute de l'eau et fais des cercles avant d'égoutter, ne renverse rien. Il n'y a que ça en étape, par contre. C'est juste des nouilles nature. Ah. Pas de problème. Je sais pas. S'en occupe. J'ai pas compris. Touche les nouilles semelles lorsqu'elles glissent pour les prendre avec les baguettes. Hein? Non mais... Oh là! Pourquoi on est dans une rivière... Ah! C'est un bambou? Non, c'est ça? On dirait un bambou coupé en deux. Ok. Ah, ça devait être un bambou. Maintenant, elles font du toboggan. Les nouilles, oui. C'est Aqualand. Je te jure. Bon, ben voilà. Mais du coup, j'aurais pas de bonus pour. Oh non. C'est quoi ça? C'est à moi ça. Allez, je retente une dernière recette parce que j'aimerais bien avoir le bonus là, pour voir c'est quoi. Entoure les germes des pommes de terre pour les enlever. On dirait un petit diable. Ah, les pommes de terre du démon là. Oh, t'avais 6 cornes. Épluche la peau. Ah! Est-ce qu'on a un économe rose? Je crois que j'avais changé la couleur. Oh waouh! L'économe rose, vous voyez, tout de suite ça marche mieux. C'est dingue. Hein. Je suis toujours aussi habile apparemment. Et par contre, je suis en train de me dire que la musique de fond qu'il y a, à certains moments, elle me fait penser à la musique de fond de la maison du style. Bah, pas à le moment là, mais le moment juste avant. Je sais pas s'il y a que moi, mais ça me fait penser à la maison du style un peu. Fais rôtir, utilise le brûleur pour faire griller la tomate, attention à ne pas trop faire brûler. Ok. On est obligé de faire cuire les tomates au chalumeau? Vous pouvez pas les mettre dans le four? C'est très safe tout ça. Putain, j'ai plus de batterie sur l'iPad. Super. Il me reste que 10%. Je suis dans la merde! Épluche les légumes chauds, épluche rapidement les tomates bouillies avant que tes mains ne deviennent trop chaudes. Ah, ça va être comme tout à l'heure, mais à l'inverse. Ah, excuse-moi, là, tu vas cramer de la main, là. Ah oui, allez, vas-y, c'était sûr. C'était sûr. On dirait des oranges sanguines. On dirait pas des tomates. Là. Bon.
certaines recettes, faut que ce soit brûlé les poivrons, par exemple. Souvent, dans les recettes, on te dit de les cramer pour les éplucher. D'accord. Et du coup, c'est mieux au chalumeau ? Je savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. De quoi, Dodo ? Je l'ai, la ref. Tu peux faire direct dans le gaz si t'as MDR. Ok, d'accord, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Trace la ligne pour couper. Attendez, pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur, je crois pas. Hein. Touche le point rouge au bon moment pour couper finement avec le couteau. Ah merde, j'en ai raté. Aïe. Encore gold. Déplace comme indiqué pour faire sauter, reste bien dans les contours. Par contre, comment ça reste bien dans les contours ? Fallait suivre le truc. Ouh ! Attends, on doit faire des figures là. C'est bon, c'est bien mélangé, là. Allez, on y croit au full gold. Maintenant que t'en parles, la musique commence sérieusement à me taper sur le système. Oh, les mimi, ça va. Faire un backflip pour remuer sa poêle normale, je te jure. Bois en suivant les indications sur l'écran supérieur. Du coup, est-ce qu'on peut rester tranquille ? Ajouter quoi ? Quoi ? Ah, patate ! Doux. Oh, hé hey. Ah non, c'était sur doux, merde. Pas sur feu moyen, j'avais pas compris. Bon, bah là, on aura pas grand chose. Normal. Ajouter. Fort. Ajouter. Premier. Ça, je me suis rattrapée, mais le début il était pas bon. Normal. Ouais, j'aurais que argenté. Continue comme ça. Ouais, merde, putain. J'étais bien partie pour cette recette. Touche les ingrédients et mets-les dans la pâte comme indiqué par les flèches. Par contre, j'ai toujours cru que c'était samoussa. Je savais pas que c'était samosa. J'y vais à plier. Hein. Normal.
mets le samosa dans le récipient lorsqu'ils font complètement surface, mets-les dans le plat. Allez, finito après. J'espère qu'on aura le bonus. Hein. Allez. Oh, mais comment je fais? Comment je fais? Faut que je ramène le plat? Ah non, faut juste faire un grand trait quoi. Continue comme ça. On a perdu la moitié. Résultat. 90. Mieux que maman. Oh vache, il est trop beau. Oh non, on a toujours pas le truc. Fais chier. Parfait. Trop mimes. Non mais je pense qu'on va rester sur ça. Dans le jeu. Là franchement ça fait 2h30 de Cookie Baba. Même plus. J'ai commencé, il était 8h moins le quart. Ça fait 3h de Cookie Mama, j'en peux plus. J'en peux plus. Ne parlez plus de cuisine. Oh mon dieu. Je coupe le son du jeu. J'ai carrément l'enlevé là, mais j'en peux plus. Je ne peux plus me voir cette dame. Libérez-nous. Voilà, hop là. Elle est partie. Je l'ai dégagée. Je n'en peux plus. Mais du coup, ouais, est-ce que c'est Samoussa ou Samosa? Parce que j'ai toujours entendu Samoussa, moi. Mais là, c'était marqué Samosa, alors ça doit être... Samosa ou Samoussa. Ah, c'est la même chose. Ok, apparemment, il y a plusieurs orthographes qui sont acceptées. Ok. Bah, tout se dit, apparemment. Samoussa et Samosa, tu peux l'écrire avec un S comme deux S. Ok, donc, tout se dit, d'accord. Non, bah, écoute, très bien. Quand ça s'arrête, ça fait du bien, quand même. Non, mais... la musique, encore, ça va. C'est juste cette tête de faux cul de cette dame qui est très méchante. Cookie Mama, qui veut faire la dame gentille. Et qui... Moi, je crois que ça avait bugué. Non, tant mieux. La tête de Mama, quand tu vois un truc, c'est si drôle. Elle est en mode, c'est comme ça, tu es nulle. Mais si elle serait plus aimable. Overcooked Mama. Ah, faut trop que je joue à ce jeu, tout le monde me le conseille. C'est le truc en duo, c'est ça? Faut trop que j'essaye. J'ai jamais joué encore. J'avais pas vu, t'as mis un tablier trop cute, oui! Oui, j'ai mis le petit tablier et j'ai mis le bandana comme Mama, mais ça se voit pas à cause du casque. Non, mais c'est cute. Bah écoute, voilà. On va rester sur ça, là. Slay. Et oui, Julix. Il est taché en plus, mais bon. Overcooked, c'est chaotique et drôle. Oui, ça avait brisé des amitiés à ce point. Mais c'est un jeu qui est que sur Switch, non? Ou il est sur PC aussi? Parce que je connais des gens qui l'ont sur Switch, mais je sais pas s'il est sur autre plateforme en soi. J'ai juste trop ma mâche, je jure. On joue à quoi semaine pro? Faut que je vois. Franchement, pour l'instant, je suis pas sûre, donc je préfère pas vous dire... à quoi je joue parce que je ne suis pas sûre. C'était très drôle en tout cas, même si j'ai hélas raté le kimchi. Merci par contre, vraiment ça donnait trop faim. C'est vrai. Bah attends, en gold j'ai eu le kimchi, le jus de fruits. Là on entend des criquets parce que je crois que c'est tout. J'ai joué 3 heures pour réussir que 3 recettes. C'est pas fameux hein. C'est pas fameux. J'ai joué sur PC, oui, Steam, je crois. D'accord, ok. Non, mais je regarderai. Parce que je voulais essayer avec Dodo. Mais on verra bien. J'avoue que ça pourrait être drôle. Ça a l'air un peu stressant, par contre, comme jeu. En vrai, j'ai raté tous les golds. Ah, peut-être que c'est toi qui portais la poisse, Terrine. Quand t'étais
pas là, ça fonctionnait. Non, je rigole. Mais non, les médailles d'argent, c'est réussi aussi. Ouais, mais bon. Si tu peux avoir gold. Ta DS spéciale est mal réglée, c'est pour ça. Oui. On va dire que c'est ça. C'est mon stylet, tu sais. Il stylette plus trop bien. C'est ça. Bon, bref, écoutez. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et un bon appétit surtout. Peut-être que ce stream vous aura ouvert l'appétit. Moi, je vais aller manger, j'ai super faim. Je sais pas si Dodo il m'allait laisser les lentilles ou pas. Vu qu'il s'est sustenté avec le saucisson directement comme ça. Donc écoutez, scandale avec mon pseudo impossible que je porte la poisse sur un jeu de cuisine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que Cooking Mama n'aime pas la terrine. C'est tout. Ce qui expliquerait cela en tout cas. Bon bref, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit. Et puis on se dit à la semaine prochaine en stream. Bisous à vous.